Et salut à tous, c'est Denté, ce soir on est accompagné du coup de Anno. Euh, donc nous salut. sommes en direct sur Twitch pour interviewer Anno. Anno est là en mode Rosta ce soir. Rosta, oh, c'est ça, ça exactement. Tu es le guest Anno. Yes, je suis le guest. Ok, ok. Euh, bah, du coup, quoi, je me présente peut-être. Allez, vas-y, présente-toi. <laughs> ah bah salut, moi c'est Anno, donc euh, je Twitch de temps en temps, euh, bah du coup sur Twitch, je stream, je fais depuis euh, mon plus jeune âge du développement de jeux vidéo euh, pour euh, me divertir. Je prends beaucoup de plaisir à créer des jeux, des fois même plus qu'à en jouer. Mm -hmm. Et puis, euh, bah voilà, j'avais une chaîne YouTube avant, mais je ne poste rien dessus. Anno, not the dead. voilà. <laughs> c'est ça, <laughs> c'est ça. Donc, euh, comme vous avez vu du coup dans le chat, il vient d'écrire à nos notes euh, donc il est là pour nous parler, Donc, euh, comme il vient de dire, de son projet, enfin de son projet, de sa passion, pardon, excusez-moi, qui est donc euh, le développement, il est donc euh, développeur amateur, euh, il développe actuellement sur Unreal Engine, et il va nous présenter un petit peu tout ce qu'il fait. Parce que, bon, à savoir à côté, euh, Anno est un ami, on se connaît depuis un an ou deux à peu près. Depuis, de, de, depuis LMN, donc, euh, ouais, bientôt euh, un an et demi, je dirais, peut-être. Ouais. Euh, euh, et donc, Anno est quelqu'un qui est très sérieux et qui fait bien son taf et qui se régale dans ce qu'il fait et ça l'amuse bien. Euh, du coup, on a Mini Fleur qui nous fait coucou. Est-ce que c'est est mieux, mieux mon micro là, les gars? Ah, euh, désolé, poto, mais on est en. On ah, a pardon? Oh, Vas-y, je, je, je vais ailleurs. <laughs> désolé. C'est pas grave, t'inquiète, c'est les adhères du direct. <laughs> <laughs> T'as détendu, as détendu le, la scène. Bon, ouais, c'est vrai. Vas-y, alors. Euh, je regarde, je regarde. Allez, ça marche. Mais tu peux rester si tu veux, mais mets ton micro, c'est tout ce que je te demande. Ouais, ouais. <laughs> Tu pas ah, à ça, non moi non, non, non plus je m'y attendais pas. <laughs> euh, euh, du coup euh, tout ça ouf ouais tout ça ouf euh, comme tu dis mini fleur. Euh, du coup là actuellement on a un petit partage de, de ton écran. Yes peux-tu euh, nous parler euh, un peu là, de ce que euh... c'est parce que comme tu sais moi j'y connais ouais. rien du tout. Ouais, ouais, ouais. Alors là, du coup, en soi, ce que vous voyez, c'est euh, en gros le moteur, de, le moteur de jeu. Donc le moteur graphique, ça s'appelle. Euh, donc le moteur graphique, c'est quoi C'est ce qui nous permet en gros de placer les éléments, de voir ce que le joueur verra et aussi de voir ce que le joueur ne verra pas lors de son expérience. C'est le logiciel maître. Donc évidemment, il y a des logiciels de modélisation, des logiciels d'animation et tout ça, en fait, on prend tous ces éléments-là pour le mettre, paf, là-dessus, dans le moteur de rendu le moteur de, de jeu pardon et euh, là du coup ce que vous voyez c'est une map test euh, c'est pas moi qui l'ai faite c'est euh, un développeur euh, britannique mais je sais plus comment il s'appelle pour le coup mais euh, c'est un système assez cool pour les déplacements de personnages ça s'appelle ALS donc Advanced Locomotion System et mmh. puis euh, puis voilà en gros c'est un template ce qu'il a fait pour montrer c'est pour ça que je l'ai pris ça permet en gros de montrer un peu comment les déplacements etc ça là, marche est-ce qu'on part tout de suite sur un test ou pas Est-ce que j'explique directement euh, euh, le fait le. Euh, que... Fais-le euh, Je ne vais pas te demander non plus de faire du... le développement pour les noobs, qu'est-ce que c'est, en gros. Euh, ou pour les nuls, euh, c'est comme un peu mmh. euh, leur petit livre jaune, là. Mais euh, mmh. fais une petite approche, parce que bon, malgré tout ça, il y a des gens qui ne connaissent pas. Euh, donc, comme je t'ai dit, moi Bien le sûr. premier, bah, je ne connais pas sans. Je connais pas, c'est un grand mot, bien sûr. Je ne sais pas faire un jeu vidéo, je ne sais pas développer, je ne sais pas tout ça, mais je comprends le, 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 le fonctionnement. Mais peut-être que voilà, dans le chat, il y a des personnes qui ne comprennent pas du tout et qui seraient intéressées par du coup euh, ce que c'est exactement. Okay. Donc, euh, Donc vas-y, du... euh, à ton bon, rythme. Pour bien expliquer, puis après, je rentre dans les détails petit à petit. Ok, ça marche. Bah, Du coup, là, si vous, si vous avez des questions sur le moteur euh, graphique, posez-les tout de suite. Il est fort probable que j'oublie des choses. Euh, voilà, donc euh, pour expliquer du coup le menu, en gros, on va parler après du projet euh, du britannique plus tard. Donc, qu'est-ce qu'on a Tout à gauche, ça c'est ma disposition. Il faut savoir que les, les dispositions ne sont pas toutes les mêmes selon les logiciels et selon les personnes qui les utilisent. Tout à gauche, on a les logs. Donc, les logs, c'est qu'est-ce qui se passe Pourquoi c'est là Enfin, qu'est-ce qui se passe en gros Tout ce qui se passe est forcément rédigé quelque part, c'est dans les logs. Donc euh, les logs, euh, euh, voilà. Euh, je ne vais pas vous cacher que euh, je ne comprends pas tout non plus. Mais oui, c'est euh, si du y a chargement problème, de fichiers, tel euh, truc s'est ouais, lancé pour voilà. se déplacer. Là par exemple, tout ce qu'il y a là, c'est dans le chargement du projet, ça explique que ça a compressé les animations pour une fluidité optimale. Et là après, du coup, il y a toutes les animations. C'est juste des indications. Tout ce qui se passe, tout ce qu'il fait, c'est marqué ici, comme ça on est sûr. S'il y a une erreur, on le verra tout de suite, c'est en rouge. S'il y a un problème, on le verra tout de suite, c'est en jaune. Donc généralement, s'il y a des couleurs euh, qui attirent l'œil, euh, quand c'est une réussite critique sévère. Après, bon, voilà, il y a quelques... Là, c'est des os, si je ne me trompe pas, des trucs comme ça. Bref, c'est des petits détails qui sont là. Donc ça, c'était juste les logs. C'est tout ce qui se passe. En globalité, se passe là-dedans. Euh, après, on a le Content Browser. Donc ça, c'est n'est pas très compliqué. En gros, c'est l'Explorateur de fichiers. Il n'y a pas euh, voilà, un explorateur de fichiers avec euh, en gros, tout ce qui est euh, en script, etc. Tout est dedans directement. Euh, tout est placé, des chemins et voilà. tout pour pouvoir structurer. En fait, ça, euh, tout ce qui est développement, ça se passe exactement comme pour un serveur. Il faut que tout soit répertorié, tout placé dans le bon dossier pour que ça puisse marcher. Un gros Alors oui et non, pas exactement. Je peux foutre un peu n'importe où, n'importe quand. C'est vraiment comme l'explorateur de fichiers. Euh sauf que à la place là tu vois ça va pas être du point exe du point txt des, des... ça va pas être des extensions normales ça va être des extensions chiffrées pour euh, les gens sauf qu'on utilise le moteur donc là par exemple ça on peut voir ça comme un fichier euh... comme un fichier euh... un texte par exemple sauf que c'est pas un texte ça contient des informations par exemple sur un joueur donc là c'est euh, bp underscore christopher c'est un test que j'avais fait euh, pour un personnage c'est que là, je l'ai lancé, j'aurais peut-être pas dû. <laughs> Il y a pas de souci. <laughs> Merde. <rire> euh, bon, du coup, on va suivre de projet, comme ça au moins ça va marcher. J'ai bien fait d'en ouvrir. Euh, voilà. Ah bah, du ça coup, tu l'as lancé. Ça, là, le place. A... Du coup que tu l'as lancé, tu... ton ordinateur il doit partir un petit peu en bruit. T'entends mal on a une petite perte de coup. Ah je... ça vient de moi ou ça vient de toi Non non ça vient de toi. Ça vient de ton ordi. Oups. C'est pas grave, ça revient petit à petit C'est les aléas du direct, c'est pas grave. Ok, je sais, ça vient d'où. De... Donc là, normalement ça devrait être bon. C'est beau. Donc ta voix c'est bon, mais ta caméra c'est pas trop ça. Mais c'est pas grave. Vas-y, envoie Alors Ah attends, 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 ok. Donc là du coup c'est ok, parce que je t'entends aussi. Tu m'entends décaler? Euh. Non, je t'entends un petit peu buggy mais là ça va. Là ça va. Est-ce que du coup, toi aussi ça va ou pas de ton côté Bah écoute, moi je t'entends bien. Ok, ok. On va continuer alors. Euh. C'est quoi que vous avez pas entendu, du coup Que je revienne dessus mm. Moi je sais pas, moi j'ai entendu, ça a ça, ça un petit peu, moi je vous entends tous les deux. Ouais je, je sais, je sais, mais c'est parce que ça vient pas de nous, ça vient pas du côté du, du stream, ça vient de, malheureusement de son PC. Parce qu'il faut savoir que voilà, que le développement aussi, c'est quand tu veux lancer un projet, ça va demander beaucoup de ressources. Et son ordinateur du coup, vu qu'il y a ses caméras qui passent en direct, j'ai son écran qui passe en direct, euh, ça lui prend un peu un peu de la connexion, et c'est pour ça qu'aussi sa caméra est pas tout à fait fluide à ce moment là. Du coup, vas-y, je, je continue. C'est pas vrai. Pour libérer un peu d'espace. J'essaie de faire ma projet. Ok, alors du coup. Euh, le play actor... Bleu. Sur la gauche. Oh, sympa. Ouais, c'est cool. Alors, on a une go ici, le play actor. Ah. Est-ce que je t'entends plus, euh... Anno? Ah, Et là, ça va pas? Ouais, ça y est. Ok. Je vais prendre deux, trois. Juste deux minutes, pour le projet. C'est pas l'idée la plus judicieuse que j'ai eu de lancer deux projets en même temps. <laughs> C'est pas grave, mon pote. Je vais pas servir. Pas... Ah oui Ah oui, ok, ok <laughs> ah, C'est pour ça qu'il a planté, parce qu'il galérait à trouver bah, les... Je comprends mieux. J'ai lancé, lancé le truc à pas lancer. C'est euh, un personnage de Meta Human. Euh. Ok. Ok, ok. Bon, je, prod, je vais juste fermer comme ça. Après, il n'y aura plus de problème. Il n'y a que ça. de qualité, Et eh ouais mais trop de qualité En tout cas merci euh, de sub pour deux mois Tu t'es gavé euh, Bleu, c'est super cool à toi Par contre du coup ce qui est intéressant c'est que je vais expliquer pourquoi ça, ça fait ça <laughs> Vas-y vas-y euh... En gros j'ai lancé un projet meta MetaHuman et il faut savoir que MetaHuman, au jour d'aujourd'hui, c'est le... qui va être créé des personnages le plus réalistement possible. Hmm là, je risque d'avoir des petits problèmes de voix avec sa charge. Et euh... là, bah, j'ai lancé quelque chose qui fait facilement de la CSK, quoi. <laughs> D'accord, ouais, ok. Donc, euh, ça va tout me pomper. Ouais, euh, on, on est, est beaucoup, on est beaucoup, beaucoup de ressources. Ouais, ouais, c'est le truc à pas lancer. J'ai fait vraiment... Euh... Bah, tu vois, c'était des tests que j'avais fait et là, pour le coup, c'était la, la pire chose que je pouvais faire. Du coup, c'est un peu flou. Je peux pas m'expliquer correctement. C'est terrible. C'est pas grave. T'inquiète pas. On va prendre son temps. On va rester zen. De toute façon, on a tout notre temps. Alors, euh, c'est le ALS qu'il faut que je ferme. De bah, toute façon, c'est le ALS qui prend le plus de mémoire. Ok, bon, finalement, il a réussi à se lancer. Top. Il ouais. y a trop de shaders à compiler, je vais le fermer. Ok, alors là normalement super. Là normalement tout est ok. Vas-y. Je check quand même. Ah, ok, normalement tout c'est bon. Euh, yes. Du coup j'étais à euh, cette catégorie à gauche. Donc le place actor c'est quoi C'est simplement pour poser des éléments de base dans le jeu. Par exemple là j'ai une scène vide. Je peux poser un petit cube. Euh... Ouais, voilà. Ça tombe bien, du coup, je vais pouvoir aussi parler de Alors. Donc là, par exemple, voilà, je peux poser un petit cube, des petits éléments, etc. Maskability. Je pense que du coup, là, je vais la mettre en médium, la qualité. Ça reste beau. Voilà. Donc là, voilà, je peux poser des petits cubes, etc. sur le décor. Et ça, c'est bien parce que. Et voyez ouais, aussi tout ce qui est lumière, etc. Toutes les choses qui sont importantes et primordiales. Donc avec ce cube-là, du coup, avec n'importe quel euh, élément sur notre scène, on oui. a plein de priorités physiques qu'on peut voir sur la droite. Donc ça du coup c'est les details, donc les détails. Et donc là on a le transform, donc location, rotation, échelle etc euh, la manière dont ça bouge donc est-ce que c'est quelque chose de, stati de statique est-ce que c'est quelque chose de, qui part dans une seule direction est-ce que c'est quelque chose qui est complètement euh, mouvable enfin qui bouge beaucoup quoi qui est complètement euh, voilà euh, tout ce qui est physique les collisions etc je passe assez vite là-dessus parce que c'est pas très très intéressant le rendering est-ce qu'il est visible est-ce qu'il est invisible est-ce qu'on le cache quand on lance la partie ou pas ça, ça a un impact parce que sur le cache pendant la partie ça permet de le voir pendant qu'on code, mais ça ne va pas charger les ombres, tu vois. Par exemple, ouais. pour économiser de l'énergie, etc. Ok. Euh, voilà. Puis après tout ce qui est réplication, donc pour le multijoueur, la réplication on va y revenir après, parce que là tout de suite c'est pas le moment. Ça va être trop compliqué. Ok, ok. Voilà, j'ai à peu près fait le tour du menu. Euh... Est-ce voilà. qu'il y a des questions, des trucs comme ça Du coup, est-ce que par hasard il y a des petits intéressés qui cherchent des petites informations sur le logiciel ou quoi que ce soit Si on n'en a pas, on va... on va continuer, passer à la suite. Yes. Tu voudrais que je parle de quoi toi du coup d'ante là Ben moi je... Quoi, les... J'aimerais que tu parles surtout là, de ce que toi tu aimes faire, de comment tu vas faire donc euh, par exemple tes déplacements de personnages, euh, si tu as quelque chose à nous présenter d'un contenu que tu as commencé ou que tu as, euh, que tu as commencé à travailler. Euh, même si je sais en off euh, que oui. Euh, <laughs> voilà, après voilà, ce que tu veux montrer, donc euh, pas non plus te... Pas non plus te forcer à jeter en avance des trucs que tu souhaiterais que ça reste caché actuellement. Mais voilà, si tu as un peu de concret à montrer, peut-être faire une présentation d'un premier projet que tu as commencé. Okay. Et après, partir un peu là-dessus, décaler un peu. Poser... Et on s'envoie des questions un peu sur tout ça. Quoi. Yes Ouais, c'est vrai que ça sera plus parlant de montrer du concret. Parce que là, du coup, vous voyez un plateau avec un cube, c'est pas très intéressant. Là, je peux vous montrer un projet que j'avais fait que je voulais vraiment pas montrer au grand public. Mais bon, tant pis. Mais bon, tant pis. Euh, Hier, euh, monsieur <laughs> Anno s'est fait bien. raid par un, un grand streamer qui lui a envoyé euh, une quarantaine de personnes, c'est ça 42, ouais, euh, en un raid. C'est la première fois que ça m'est arrivé. C'est très bien d'ailleurs. Donc, à savoir, c'est que Anno euh, a streamé à l'époque et pas beaucoup, de ce que j'ai compris, c'est ça euh, avant, euh, alors non, je streamais pas, mais j'étais sur YouTube. D'accord. J'ai des vidéos YouTube. Et non, du joué. coup, moi qui suis un peu dans la hype du stream euh, actuellement, euh, j'essaie de monter une petite équipe de streamers avec moi, et j'aimerais pousser un peu les gens à streamer et à faire euh, la fin de leur mieux, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont un certain potentiel, et dont un autre qui a un beau potentiel dans le développement, et euh, du coup, je le pousse un petit peu au cul pour qu'il puisse streamer un petit peu. <laughs> et hier, ça lui a, a porté euh, chance. Hier, Après, il a, a, streamé porté, a streamé. Et un certain. Je te laisse dire son nom, parce que je, je ne sais pas du tout qui était la personne qui t'a Un certain Silver euh, Le Dev. Silver Le Dev. Qui m'a raid avec 42 personnes. Un streamer formidable. Voilà. Et du coup, il a vu qu'il y a eu un bon nombre de personnes. Pardon, c'est pas grave, t'inquiète. Du coup, ayant eu un bon nombre de personnes, tu as été obligé de leur montrer du concret. Et donc, comment ça a dévoilé ton petit projet Exactement. Bon, du coup, t'as pas le son Dante normalement. Dans tous les cas, ça serait mieux que tu l'aies pas. C'est pas un truc. Euh, et puis pour moi, il faudrait peut-être que j'arrive à le baisser vite fait. Pour mes oreilles. Je vais faire autrement. Donc là, je vais juste changer un petit truc. Je vais baisser le son parce que mes oreilles sont. Euh... Enfin. Euh... Je... je bégaye. Non, parce qu'en gros, le son que j'ai mis, la musique du jeu est beaucoup trop élevée. Et il faut absolument que je la baisse. Donc là du coup on a les sons et et dans la sortie volume multiplayer on va mettre un zéro. voilà ok c'est parti la musique s'est pas baissée <laughs> Euh, J'avais fait juste vite fait On va ouvrir Playstone 2D du coup Ok On va le mettre à 0,2 Ok c'est bon j'ai trouvé euh, Par contre je crois que j'ai lancé un script en C ⁇ sans faire exprès Bon c'est pas grave Voilà donc là, on a le menu principal. Et du coup, euh, il ouais, n'y a pas le sombre, bon, c'est pas grave. Je vous laisse regarder un petit peu. Donc ça, c'est euh, ton projet que tu travailles dessus depuis plusieurs mois. Euh, c'est un projet que tu aimerais finaliser et euh, en faire vraiment un jeu vidéo complet. Ça, Exactement. Ce on euh... avait discuté en off. Exact. Ouais, le but c'est vraiment de faire un jeu sympa, offrir une expérience aux joueurs euh, euh, différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Parce que quand je vais vous montrer le gameplay, vous allez voir que c'est pas euh, ce qu'on a l'habitude de voir vraiment. Donc euh, voilà. Hop. Je lance le play, le petit chargement. Et vu que je suis en médium, ça va aller vite normalement. Et euh, je vais vous laisser profiter vite fait de la première petite cinématique que vous avez pas le son donc c'est triste mais je vous laisse admirer quand même avec les yeux mon changement le... Il était un peu long Few in Eternity later. <laughs> il est pas long. <laughs> J'avais vraiment dit il n'est pas long, mais il charge trop longtemps. Ah non. C'est parce que c'est la première fois que je leur lance. Euh, c'est la première fois que je lance de la journée, c'est pour ça. Enfin, je pense, hein. J'espère. Voilà, ça change. Bon, déjà, il n'a pas freeze, il a tourné en bas. C'est ouais. le petit repère que je faisais à l'époque sur les consoles. Tu sais, quand t'avais peur que ton jeu, il avait freeze ou quoi que ce soit, là, tu regardais si le logo de chargement, il bougeait. Tu veux une anecdote C'est exactement pour ça. et pour voir si ça freeze ou pas. <rire> 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 euh... Donc, je sais pas si... Vous... Non, normalement, vous entendez pas. Il y a une petite musique euh, assez sympa, euh, assez douce qu'on a dans les oreilles. Et après, je vais essayer de montrer euh, la version... Euh... Avec des lumières beaucoup plus réfléchies. Donc oui, du coup euh, mon entre guillemets studio de jeu, en tout cas la marque que je mets sur mes jeux, c'est Zamker. Pourquoi Zamker Parce que c'est avec ça que j'ai fait mes tout premiers euh, tout études, euh, en tout cas en audiovisuel, c'était sous le nom de Zamker. Parce que euh, je suis dé développé des jeux. C'est pas. Euh... J'étudie pas là-dedans, en fait. J'étudie dans le cinéma, moi, à la base. Et ça, c'est vraiment une passion que je développe depuis euh, ma plus jeune enfance, quoi. Donc voilà, on peut ramasser des items, etc. C'est un gameplay, euh, un, un hack and slash. Et euh, on peut se déplacer à la souris, etc. On peut attaquer, par exemple, un mob. Je sais qu'il y en a là-bas. Donc l'histoire, c'est quoi On est euh, une, euh, une espèce de samouraï. Et le but c'est de tuer euh, des monstres, sauver en gros euh, la, la planète. Oups, petite bêtise. <coughs> Hop, là. Et euh, puis du coup, voilà. On a de quoi, on a des énergies, donc là par exemple, foudre, etc. Euh, qu'on peut avoir. Bon, normalement là, vu que c'est le prologue, on n'est pas censé l'avoir, mais euh, voilà, c'est pour moi faire des tests en gros. Hop. donc tout a été codé par moi les modélisations sont faites euh, m'ont été données soit par Epic Game, soit par euh, du coup euh, Mixamo, enfin moi qui a été trouvé sur internet j'ai tous les droits sur tout ce que j'utilise évidemment oui ce qui est logique ouais, ouais. Préfère... c'est mieux de préciser quand même et là du coup c'est une, vraiment une pré-alpha une pré du, du tout premier niveau c'est vraiment un, un test quoi. Donc on peut voir plusieurs bugs etc. C'est normal. Quand on appuie sur I e, on a le sac à dos. Le problème c'est que hier je l'ai fait hier, je l'ai fait bugger le sac à dos. Du coup, euh... <laughs> du coup je peux pas vraiment montrer. Il va falloir que je le refasse. Mais sinon voilà, donc là on a un boss. Ça va me permettre en gros de vous montrer quand je vais mourir. Et euh, du coup, euh, l'autre gameplay, puisqu'il y a deux gameplays, donc là on a le gameplay en gros combat un peu hack and slash. Et après il y a un gameplay beaucoup plus observation, balade, etc. Alors à savoir, euh, comme vous voyez, il y a des. Donc il est en cours de développement. Donc c'est pour ça que des fois bah, l'ennemi se fait taper, il n'a pas forcément de décalage. Euh, pareil pour soi-même, oui. sauf que là pour la mort où tu te fais expulser. Et, euh, parce que bon c'est l'interaction le... de mort du coup mais c'est normal, c'est du développement, comme il a dit, c'est euh, une pré-alpha, ça veut dire que c'est même pas encore sorti en early access ou quoi que ce soit, c'est vraiment il développe dessus et, euh, et chaque chose en son temps, les, les mouvements, les coups et tout, ce sera, bah, je pense, euh, après, plus tard, quoi. Enfin, là, c'est pour l'instant, déjà, faire la notion du monde, de se déplacer, de voir si le hit y passe, euh, tout y quanti et plus tard, les détails, quoi. Exactement. <laughs> donc là, du coup, le gameplay exploration, donc euh, on est avec euh, du coup euh, Kachujin. J'ai mis un jon un nom japonais quand même. Parce qu'à la base, ça reste quand même une euh, samouraï. Voilà, bon, elle a pas d'armure, mais euh, voilà. Euh, je, là, le jeu, il est vraiment dégueulasse pour le coup. Donc je vais quand même mettre euh, en plus beau. Environment 7 tac-tac, dans les maps, c'est le... Euh... Cette map hop là voilà. donc là je vais juste le mettre en height du coup pour que vous puissiez un petit peu plus profiter de l'expérience voilà c'est un petit peu plus beau et après je vais vous remontrer le prologue mais euh, en activant euh, c'est pas c'est pas vraiment le rtx c'est une autre euh, qualité que unreal propose depuis la sortie de engine 5 en bien plus beau donc là voilà on peut se balader, ZQSD, touche normale, euh, on peut pas attaquer, il n'y a pas encore d'action. Ça c'est vraiment le dernier truc sur lequel j'ai bossé. Donc euh, simplement le mode exploration dans, dans la forêt. Donc là du coup euh, des personnages, on n'est pas censé le voir, c'est juste qu'il est en train d'attendre patiemment de pouvoir exécuter son script. Petite cinématique avec un petit dialogue. Bon, le problème, c'est que j'ai pas encore fait de morph target, etc. Donc, le fait de pouvoir parler les expressions faciales, c'est pour ça, là, on dirait juste deux piquets qui se regardent. Mais euh, ça, à la limite, on pourra encore en venir après quand, euh, quand on discutera un petit peu plus de tout, toutes les technologies, on va dire. Hop, là. Donc là, du coup, euh, on peut se balader, etc. Euh, pour la suite... Donc ça, c'est des vrais PNJ, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment une conscience, entre guillemets. Bon, pas très développé pour l'instant, mais ils ont une conscience, c'est-à-dire je me mets devant, bah, il va pas me passer au travers, quoi. Euh, il va tout faire à tout prix pour aller au point que je lui avais dit. Sauf si je me mets devant, il va juste se dire, il euh, y a une erreur, ça marche pas, quoi. Mais tout ça, c'est des choses qu'on peut on, par la suite euh, développer et, et faire mieux. <coughs> voilà. Donc là, il va juste dans son point, et c'est à peu près tout ce que j'avais à montrer sur mon jeu. Yes. Du coup, tu parlais de plusieurs types de technologies. Euh, ouais. Qu'est-ce que tu utilises, du coup, pour, euh, bah, pour faire euh, là où ça en est qu prenne, euh, qu Que tu es un PNJ qui vient d'un point A, qui aille à un point B que Comment tu vas faire pour que ton personnage. Euh, tu puisses le déplacer, le faire taper de telle façon et que du coup euh, le mob en face prend des, des dégâts à, à telle distance ou quoi que ce soit. Ouais, alors du coup clair. pour tout ça, je vais euh, lancer une map du coup semi-vierge, c'est-à-dire il n'y aura pas grand chose dessus. Euh... Et je vais vous montrer euh, tout ça. Donc on va commencer du coup par... Euh... Tout ce qui est euh, comment expliquer npc je pense pnj un petit peu le, ouais. le plus simple à expliquer personnage donc, là, voilà, joueurs, donc euh, un bot exactement un bot un pnj un, un personnage non joueur voilà <laughs> j'ai pas d'autres termes pour désigner euh, donc là c'est pas compliqué du coup je vais mettre le player start juste ici je sais pas si y a une lumière oui il y a des lumières voilà ça c'est une map complètement vide donc là on spawn, bon j'ai pas mis le bon personnage mais tac tac juste mettre le game mode on va se mettre en troisième personne voilà donc là voilà c'est une map complètement vide etc c'est une map de test euh, sur cette map là Hop. sur cette map là du coup je vais quand même essayer d'améliorer un peu les lumières je pense skylight directionnel, tac 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 Ouais, bon, du coup pour un bot, euh, je vais prendre du coup euh, celui que j'avais fait. Ça dépend. Du coup on va faire un bot de point A à un point B. Ce qui peut être marrant du coup c'est de le faire en, en, en direct. C'est là tout de suite maintenant. Parce que c'est très simple à faire. Donc j'avais au préalablement fait un personnage. Je sais plus où est-ce qu'il est. -ce qu il est. Arushio oh, euh, Je l'ai sûrement mis... Euh... Hein Arushio, oh, le personnage euh, Ouais, mais je crois que je l'avais aimé. <laughs> voilà, Yorokobi. Yorokobi. <laughs> je yeah. Ouais, ouais, ouais. J'avais pas de nom, du coup, j'ai mis Yorokobi euh, en, en... Du coup, euh, qui est un très bon ami à nous. Donc, voilà, il est là. Bon, on le voit pas très bien. Par contre, je savais pas qu'il faisait de la lueur dans le noir. Ça, ça peut être intéressant. Voilà. Donc là, du coup, on a euh, Yorokobi. Si on regarde dans le script 2 du personnage, tac, on va voir le full script, il n'y a absolument rien, genre vraiment j'ai rien fait dessus. Euh, dans son script, tout ça là, c'est les paramètres de base d'un joueur. En gros, je lui ai juste dit, ça c'est un personnage, c'est tout. Il ressemble à ça, je lui ai mis son mesh. Donc le mesh, c'est quoi Je vais d'abord expliquer un truc, je suis obligé. <laughs> Donc, il faut savoir, pour les animations, comment ça se passe on a la peau du personnage, donc ce qu'on appelle le mesh. Donc, faire un petit personnage vite fait. Voilà. Ça, c'est un personnage. <laughs> donc, voilà. La couleur noire, donc, ça va être le mesh. M-E-S-H. Voilà. Ensuite, dans le mesh, il y a les os. Donc, les bounds, le squelette. Donc un bounce, ça ressemble généralement à ça. Tac, 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 puis après il y a le genou, voilà. Un squelette, comme un squelette qu'on peut avoir dans l'anatomie humaine. On a le squelette, donc ça, ce qui est en rouge, c'est le squelette. Ça je le fais en schéma parce que je peux pas vraiment le montrer, ah, si je pourrais le montrer, je vous le montre après. Donc le squelette, c'est beaucoup plus clair comme ça. Voilà, donc le skeleton, le squelette. Et euh, une animation, comment ça marche. Une animation, il faut voir ça comme euh, un mouvement. C'est logique en même temps, mais c'est voilà. En gros, c'est un mouvement qui va faire en sorte que les os du personnage vont bouger. C'est des informations qui vont expliquer comment ça bouge, quelle eau bouge, comment. Et ensuite, ces os-là, ils auront une animation et les os vont retranscrire l'animation euh, au mesh. ça Du coup, ça se passe en trois étapes. L'animation qui le donne au squelette, qui le retransmet au mesh. Ça se passe en trois mots en temps. Donc là, du coup, là, on voit le mesh. On ne peut pas voir le squelette. Bon, même si j'entre dedans, on ne le verra pas. Et les animations, c'est la même. Je fais une parenthèse d'animation, j'ai envie de l'expliquer, je sais pas sinon comment le caler. Euh, non ah, mais vas-y, c'est très bien, c'est très bien. Après euh, pour, parler, coup... pour parler, pour un peu, euh, un peu plus donc euh, moins spécialiste, euh, le mesh, si j'ai bien compris, c'est le skin du personnage. Ouais. Et et du coup le, le squelette, donc euh, le bones ou le skeleton, euh, ça va être donc la partie euh, Mouvement du personnage et qui va entraîner du coup ce mouvement au skin. Alors, oui, c'est ça. C'est ça. En gros, c'est ça. Euh, donc là, du coup, rien de mieux que vous montrer directement euh, étape par étape. Après, oui, il y a une dernière chose aussi. Il faut savoir qu'un mesh n'a pas de collision et un squelette n'a pas de collision. Ce qui donne les collisions, c'est ce qu'on appelle des, bo des, bah, des boxes. Des collision box, Donc il faut savoir qu'il y a une collision box à chaque euh, pliure, comme ça qu'on dit, euh, à chaque. Euh, ouais, chaque, chaque intersection. Parce qu'en ouais, fait, c'est voilà, coupé. Euh, les intersections sont coupées pour que ça puisse se déplacer. Enfin, le mouvement le plus propre possible. Ouais, en gros c'est ça. Tac, tac, Donc là du coup tac, tac, tac. Faut voir ça comme des espèces de boîtes. Donc ça, du coup, c'est puff puff et collision box. Voilà. Donc ça, du coup, c'est les collision box. Un personnage dans le jeu, faut le voir, du coup, dans ce schéma-là. Donc le mesh, donc la peau, le squelette, les animations, donc les flèches que j'ai fait, Bon, il y en a qu'une. Et la collision box. Avec toutes ces paramètres physiques-là, on a un personnage qui peut tenir debout, qui est droit et qui est stoïque. Comme ça. Euh, du coup, pour montrer euh, étape par étape, le mesh, donc la peau de du coup euh, Kobi, c'est ça. Donc là, on a la peau. Là. Voilà. Le squelette. Je montrer. Il y a eu un problème. Euh, j'ai eu un, j'ai eu un petit freeze sur ta caméra, sur ton écran. Ok. Euh, le squelette, euh, pour le montrer, ça va pas être évident. Alors, je peux montrer osse par os si je fais un contrôle A. Ah, ça, ça donne que le hips. Comment je peux le montrer Preview. Uh, ah. Je sais pas comment montrer tous les zones d'un personnage. Mais là, j'ai en gros. Chaque ligne que vous voyez là, c'est un os différent. Donc vous pouvez voir, en gros, il y a énormément d'os dans un seul personnage. Euh... Je suis en train de voir pour montrer les os. Ok, bleu, ouais. pas de soucis. Ouais. Euh... Après, t'embête pas, va pas tout dérégler complet. Si... Non, non, je le dérègle pas, mais c'est intéressant à voir, c'est pour ça que j'essaye. Ah. Peut-être. Donc là, j'ai tous les noms. Voilà. Donc voilà, ça ressemble à ça, en gros, un squelette. Donc là, du coup, vous pouvez bien voir comment ça se présente. Donc ça, c'est le squelette. C'est ça qui va bouger. Grâce à l'animation. C'est ça qui va bouger, et qui va reconstruire ensuite le personnage. Donc on peut voir, surtout au niveau des doigts, c'est extrêmement précis. Là, c'est pareil. Il y a beaucoup de, de clés, de, 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 de clés. Alors que les pieds, par contre, ça non, vraiment deux, ça suffit quoi. Et euh, comme, comme tu peux le voir, sur ces personnages-là, il n'y a pas de morph target. Il n'y a pas ouais. d'eau sur le visage. On ne peut pas animer le visage du coup. C'est pour ça que c'est beaucoup plus galère à faire. Il y en a très peu qui le font. Voilà. Euh, euh, du coup, je peux ensuite maintenant. Tac, tac, tac. Et... Euh, tac. Après, du coup, la physique. Donc les box collision. Voilà, c'est un peu le bordel, mais ça ressemble à ça. Et ça, c'est la collision du personnage. Et est-ce que le, la box collision, comme tu dis, va faire aussi ouais. office de hitbox ou pas du tout Ça dépend les jeux. Il est très conseillé de ne pas le faire. Parce que sinon ça va être bordélique. Euh, la collision, du coup. Je vais vous la montrer là tout de suite. Je suis désolé, j'arrive deux secondes, j'arrive deux secondes. Je suis désolé. Il y a pas de souci. Ne pas. Euh, comment ça va, mon poulet Pardon, je suis là. Je suis vraiment tiens. désolé. Pas de problème du coup pour euh, hipman qui vient d'arriver euh, du coup je te présente anno euh, anno qui a une passion du coup c'est le développement euh, de jeux vidéo et qui nous présente du coup un peu comment ça marche un peu euh, ce que euh, ce que c'est euh, les bases du développement et euh, les explications un petit peu de certaines euh, certaines animations de personnages savoir comment le personnage est animé pourquoi euh, et ce qui fait qu'il a tel mouvement ou tel mouvement ou, ou encore il puisse avoir une collision Je suis sur Unreal Engine euh, 4. Pas encore le 5, là je suis sur le 4. Pas Epic Game. Tu dois sûrement connaître. Euh, voilà, du coup j'en étais... Oui, et du coup du, euh, Dante, la collision en jeu Là elle est mal foutu. <laughs> C'est cette euh, box là, je sais pas si tu arrives à le voir. C'est quoi Je vais directement te le montrer en cachant le mèche Hop là. C'est cette, cette box là, tu vois. D'accord. Cette box-là. C'est quelque chose de très simpliste. Mais ça fait le taf largement mieux que les les collision box. D'accord. Mais après, la question qu'on peut se poser, c'est à quoi ça sert les collision box Là, je vais, du coup, je vais pas pouvoir le montrer, mais ça sert à... Est-ce que, par exemple, en, à titre de comparaison, est-ce que vous voyez sur, sur G-Mode, mode -mod, quand on prend un, un Ragdoll ouais. Le Ragdoll, il a les mêmes choses. Et c'est à ça que ça sert tu prends le ragdoll, tu vois, il a euh, des os, entre guillemets, et ce qui permet en gros qu'il s'écrase sur le sol, qu'il bouge d'une certaine manière, qu'il a du poids. Tout ça, mm -hmm. c'est grâce au collision box. Pour tout ce qui est ragdoll, en fait. Donc tout ce qui est. Je sais pas comment expliquer, Dante, si tu une explication pour ragdoll. Bah, bah, le ragdoll, en fait, tout simplement, ça va être. Euh... Lui, la, poupée la poupée d'un personnage, en fait. Euh... Ouais, c'est ça. Ça va être un personnage, mais euh, non bot. Enfin, c'est pas un PNJ, c'est pas un joueur, c'est juste en fait euh, le, le corps du personnage que tu peux toi-même bouger euh, et trifouiller avec euh, un truc qu'on va appeler le Physic Gun dans, dans Garry's Mod. Ouais, En gros, gros c'est un mannequin, quoi. C'est un mannequin et qui a donc toutes les notions qui sont là, donc Collision Box, qui fait qu'il ne passe pas à travers le sol quand tu le fais tomber, qui fait que tu, toi aussi, quand tu le touches, ben, tu peux le décaler comme si c'était un cadavre au sol, par exemple. Donc, je prends le terme cadavre parce que dans. là ah, mais c'est vrai, mais parce que quand on va, ouais, ouais. On va utiliser un ragdoll dans, dans du RP, parce que moi je suis un joueur RP, ça va être au plus souvent pour simuler quelqu'un qui est mort. Après, on peut, on peut dire blessé aussi. aussi. Blessé, ça marche aussi, pour le coup. Mais on peut voir aussi le ragdoll... Euh... Ouais, par un accident, une propulsion, un truc comme ça. En gros, c'est les interactions que ça aura sur les autres éléments. Euh, bah voilà. Euh, J'ai fini de parler, en gros, du personnage, comment ça fonctionne. Est-ce que vous avez des questions et toi, Dante, est-ce que tu as des questions à me poser, Evidemment. Moi, j'en ai une, je vais juste attendre un peu que le chat y réponde y ont une question. N'hésitez pas, le chat, euh, à nous, est libre, il est là pour vous ce soir. Bah, Mini a une question, mais c'était pour Hipman. C'est <laughs> <laughs> ah, bah non <laughs> Moi, du coup, j'ai une petite question ouais, pour okay. toi. Ça va être sur la partie euh, hitbox. La partie, okay. la partie hitbox, du coup, euh, comment elle va être C'est le con que tu m'as montré tout à l'heure ou rien à voir euh, La hitbox du personnage dans le jeu, c'est le cylindre que je t'ai montré tout à l'heure. D'accord, ok. Donc la late box à savoir pour ceux qui connaissent pas, bon, ceux qui jouent FPS souvent entends dire euh, ah la Xbox, la, la hitbox, elle est pourrie, elle est claquée, euh, il tient à côté de ma tête, il m'a mis une balle. Euh, voilà, en fait la hitbox, ça va être donc euh, comme là c'était un cylindre qui va prendre la forme du personnage euh, au plus proche du personnage ou souvent dans les anciens jeux ça va être juste des carrés et des, des rectangles. Euh, pour faire en sorte que voilà que quand tu vas prendre un dégât, donc hit, un toucher, ben ça interagisse. C'est bien ça, à nous ou je dis des bêtises Ouais, alors c'est pas pareil encore. Euh... Alors c'est assez compliqué. Il y a la hitbox et il y a aussi euh... tout le monde appelle ça la hitbox. C'est pas vraiment une hitbox. Ah, je sais pas comment expliquer en gros. Il y a la voilà, ouais, je confonds. Alors, il faut savoir qu'il y a la collision box. Il les, 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 les... n'y je... a je... aucun souci, euh, Minif. Oh, je bégaye, c'est terrible. En fait, ce n'est pas la pas. même chose. La hitbox et la, la collision box, ce n'est pas la même chose encore de ouf, tu vois. Il faut savoir que la hitbox fonctionne avec la, la physique. Donc ça. Il faut savoir que euh, les... la hitbox fonctionne avec ça. Si on tire sur l'un de ces trucs-là, en gros... Ça va toucher, ça va faire mouche, ok Ça va pas, du... ça va pas marcher avec du coup ce cylindre là. D'accord. Pour les hits. Ce cylindre là, en fait, il sert juste à euh, au cas où il y a un joueur qui pousse un autre joueur. Le seul moyen de réfléchir avec les forces, ça va être ce cylindre là. Sinon, ça va calculer okay. beaucoup trop. C'est pas exactement pareil encore. Mais okay, sinon, okay. Euh, je sais pas si j'ai été assez clair. Non, <laughs> oh, pour moi, c'est au top. Ok, ok. Une fois que tu as fait ton modèle Unreal Engine 4, tu envoies celui-ci sur une autre application pour concevoir le jeu ou, tu... ou tout est fait sur le Unreal Engine Alors, c'est une excellente question, très cher IPMAN. Euh, alors, il faut savoir que l'Unreal Engine, je l'ai expliqué d'ailleurs en début de live, je crois. Euh, L'Unreal Engine, c'est un moteur graphique. C'est-à-dire que c'est le centre de tout intérêt. Euh, on ne fait pas des modèles sur Unreal Engine 4. Les modèles sont faits sur d'autres choses. Et ensuite, sur d'autres logiciels, du coup. Donc je peux citer Blender, je peux citer euh, Autodesk euh, 3ds Max, je crois. Euh, après, pour les animations, il y a Mixamo. Il y a plein de logiciels autour. Et... Ouais, exactement, 3ds Max. Et en gros tous ces, les modèles, tout ce que tu peux faire autour, tu les importes dans l'Unreal Engine. Maya aussi, ouais. Et c'est l'Unreal Engine qui... C'est le cœur, si tu veux. C'est le cœur du truc, c'est là où tu développes, etc. Et importes tous tes éléments dessus. Tu crées pas de modèles avec Unreal, mais tu importes tes modèles dans Unreal. Voilà. Je sais pas si j'ai été assez clair, mais euh, j'essaie de m'exprimer le mieux possible. C'est très bien. Euh, voilà, voilà, et du coup, euh, du coup, voilà Est ce que vous avez. Si je résume, alors création des modèles sur 3ds Max ou autre, ok, ouais, ça fait un petit. Pour la création des collisions et du jeu, non euh, Alors, <laughs> j'ai pas. Euh, ouais, c'est ma faute. Euh, alors, il faut savoir que le personnage, le mesh. Faut savoir que le mesh du personnage. Euh, comprend généralement quand on fait sur euh, Blender, Autodesk, les choses comme ça, ça comprend généralement aussi euh, le, le squelette et euh, les, les, les collisions. Normalement, tout, tout est compris directement dans les autres logiciels du type Maya, Blender, etc. Et tout ça, tu l'importes directement sur Unreal. C'est juste qu'avec Unreal, du coup, on peut montrer plus précisément euh, tout ça. Unreal, c'est... Alors, pour expliquer un réel, c'est le moteur graphique, du coup, ça je l'ai déjà dit plein de fois. Qu'est-ce que ça veut dire en gros, moteur graphique Moteur graphique, il faut voir ça... Euh... Ouais, comme un rendu. Un espèce de rendu. C'est ce qui permet de tout rendre en temps direct, etc. Comme là, tu peux voir. Et... Oh, euh... ouais, je sais pas. <laughs> Et voilà, en fait, c'est ce qui permet de rendre tout ça. Et puis après, tu rajoutes tes codes, etc. Alors, par contre, ce qui est bien avec Unreal, c'est qu'il y a deux types de codage. Et ça, du coup, je vais en venir tout de suite. Parce que je ne savais plus quoi dire. Mais là, du coup, tu m'as avancé sur un autre sujet. C'est génial. Euh... Alors, je crée un autre projet directement. Clac, clac. Ne pas enregistrer. Alors, il faut savoir que sur Unreal, il y a le BP. Je vais. Ouais, je sais ce que je vais faire. Il y a le BP. Donc le blueprint. Et euh, okay. il y a le BP et il y a euh, du coup le C. Je sais pas si euh, vous connaissez bien un petit peu les... Euh, les euh, Je sais pas comment expliquer. Je sais pas si vous connaissez bien en gros les langues de collège ou pas ou quoi. Ou même de nom. Voilà, ouais, blueprint, en gros, ouais, c'est ça, c'est un plan. Exactement. J'allais euh... dire une bêtise, j'allais dire, moi je l'ai farmé sur Arc et Blueprint. Il <laughs> <laughs> euh, y a un truc que j'ai pas compris, par contre. Euh, tu es le cerveau où il y a d'autres plus haut gradés que toi. Ça, j'ai pas compris. Je sais pas s'il y a pas si En gros, est-ce que c'est euh... toi qui a qui créé le jeu tout seul C'est toi qui a qui est meneur du, du jeu ou enfin que tu nous as présenté tout à l'heure si. Ou est-ce que ouais. t'as quelqu'un au-dessus de toi qui une équipe ou quoi que ce soit, tu vois, quelqu'un au-dessus de toi qui... Ouais. qui pour qui tu travaillerais quoi Ouais, alors. Je pense que c'est ça ouais. la question. Si c'est ça la question, faut savoir que je travaille pour personne et que je fais ça juste dans mon temps libre euh, par passion. Et euh, il faut savoir aussi que, comme, ouais, comme je dis, c'est une passion en fait. Je suis pas... J'étudie pas du tout là-dedans. <laughs> pas du tout, je suis dans le cinéma à la base. <laughs> Mais non, il n'y a personne au-dessus de moi, c'est moi qui choisis tout. Alors c'est vrai que c'est extrêmement conseillé du coup de travailler à plusieurs quand même et d'avoir en gros une tête au centre qui gère un petit peu tout. Mais là, vraiment, moi, je suis tout seul. C'est pour ça. Moi, il faut. Je sais pas, par exemple, je ne sais pas modéliser. Je sais comment ça marche. Je sais comment je fais, etc. enfin, comment les gens font, etc. Mais moi, je ne sais pas le faire. J'explique comment ça se passe. Mais moi, je ne sais pas faire parce que je n'ai pas les talents, etc. Pour modéliser. Moi, je sais développer. Ce n'est pas la même. Mais sinon, voilà, je suis tout seul. Je préfère bosser tout seul parce que dans tous les cas, pas... je ne vois pas ça comme du boulot. Je vois ça comme un passe-temps. C'est tout. Voilà, voilà. Du coup, pour revenir à BP et C++ euh, comme comme a dit Peyman, BP ça veut dire plan. Enfin, blueprint ça veut dire plan et C++ c'est une langue de collage. Testa dit Orienté Java, je crois. Orienté Java. Alors oui, bah c'est pas vraiment du Java. Orienté Java, ouais. En gros, ouais. Alors les deux, faut savoir que du coup, les ah deux non, sont des langues méfiseur. de programmation. Ah, un jeu vidéo. J'allais dire, ça ressemble pas trop à du Java, orienté Java, bon, dans la manière de penser peut-être, <laughs> mais... Désolé, j'ai mal compris. Ouais, du coup, orienté jeux vidéo, ouais. Et après, on peut utiliser le C++ pour toujours, le Millet, parce que je vois que... Il faut savoir que sur euh, Unreal, bah, du coup, plus que sur Unreal, euh, les deux sont des langues de programmation. Après, je vais donner euh, leurs torts, enfin, leurs avantages et leurs inconvénients. Euh, par exemple, du coup, le blueprint, en euh, avantage, ce que je pourrais lui donner, c'est qu'il est extrêmement simple. Très simple. Je, je me fais chier à écrire comme ça, je, je peux juste mettre texte. Donc, il faut savoir que. J'essaie de faire un truc beau, mais euh, bon. <laughs> c'est pas grave, on s'en fout, sur Paint, mec. <laughs> Bon bah, paint ta crash. <laughs> c'est la première wow. fois. T'as réussi ça faire crash okay. paint. Tu es mon dieu. <laughs> Ok, tu quoi. Donc, du coup, en positivité, ce que je peux mettre, c'est que c'est simple. Extrêmement simple. Tu peux donner ça à, à n'importe qui, une personne âgée de 12 ans. Tu lui expliques, il va comprendre. Tu vois. Le blueprint, c'est extrêmement simple. En euh, autre qualité. C'est du codage graphique, un peu à la scratch. Voilà. Un codage graphique. C'est simple, c'est graphique. Euh... Après, un inconvénient, ce que je peux mettre, par contre, c'est que c'est uniquement sur Unreal. Et puis, euh... les je dirais, les possibilités ne sont pas infinies. Même si on peut faire... What you see is what you get. <laughs> et... Euh... Putain, je sais plus ce que je voulais dire. Uniquement sur E. et... Ouais, possibilité pas limitée, mais c'est pas infini, en gros. Mais ça, je vais pas le mettre. Après, le C ⁇ euh, c Alors, un point positif, ce qu'on peut mettre, c'est que c'est... Euh... Je sais plus comment ça s'appelle, euh... le codage, mais c'est avec les tables. Du coup, c'est pratique pour faire des, des trucs. Bon, c'est pas... C'est un petit peu trop complexe. Euh... Ce qu'on peut mettre pour le C, c ⁇ c'est que c'est complet. Et puis... Euh, alors C++ c'est complet c'est connu aussi euh, mais par contre c'est compliqué à apprendre le C++ t'en as pour pas mal de temps donc là en gros avantages et défauts, bon j'ai pas tout mis avantages et défauts des différentes euh, lignes de code enfin langues de codage que supporte Unreal le bp le c alors le blueprint ça ressemble à ça que je montre par exemple sur un personnage voilà ça c'est le blueprint d'ailleurs ça c'est ouais, ça c'est un test donc euh, le blueprint ça ressemble à des trucs comme ça ça reste compliqué mais c'est facile à comprendre un petit jeu d'enfant où tu relis les lignes. Il y a une question que je pas vue parce que tu viens de répondre ça... euh, Oui, j'ai Mini Fleur qui disait, d'accord, euh, comme j'étais au téléphone, euh, et qui est revenu sur, euh, mais tu as fait quel jeu s'il te plaît euh, et du coup, je lui ai répondu, euh, pour pas te couper de la parole et te laisser continuer sur le, ta réponse à Ipman, je lui ai répondu que tu étais donc du coup en projet sur un jeu en cours. Et que j'ai pas donné de okay. nom ou quoi que ce soit parce que je veux pas. Bon, okay, ça, a bah été en, ça, ouais. ça a été mis en début de stream, bien, donc euh, hésite pas, euh, Mini Fleur, à, après le stream, regarder le, le, le départ de la rodiff juste pour voir le, la présentation de son petit jeu qui est en cours. Mais vu que c'est un projet qu'il voulait pas trop montrer à la base et que j'ai un peu forcé pour qu'il me le montre, je euh, <laughs> vais pas trop l'embêter avec ça. Un schéma d'ensemble d'entités qui euh, rassemble les classes, les méthodes du modèle 3D importé en gros. Euh, alors pour le blueprint, en gros, ouais. Mais. Euh, ça alors en gros, ouais, mais c'est pas vraiment pour des modèles 3D à la base. C'est vraiment pour tout et n'importe quoi. Là par exemple, le mouvement input, euh, bon, un peu compliqué à expliquer. Je vais essayer de trouver un petit script facile à expliquer quand même pour que vous voyez un petit peu. Euh, le problème de ce que je fais là à la... bah, bah, Je vais aller voir autre part. Il y a, il y a un petit script que j'ai fait, très facile à expliquer. Euh, sur le top-down. Oh, sur les mutants. Bon, ils sont plus complexes, mais ils sont plus faciles à expliquer. Euh, euh... Alors, oui, il faut savoir que les mutants, du coup, se mettent euh, en forme par rapport au personnages. Comme des plugins. Non, pas du tout. C'est une langue à part entière, vraiment. C'est pas vraiment des plugins. Regarde, je vais t'expliquer. Là, par exemple, grâce à ça, avec ça, tu peux coder le jour en entier. C'est pas, pas un plugin, c'est un ajout supplémentaire. Tu as le choix entre deux types de codes différents Blueprint, C, ou les deux. Sur un réel. Donc là, du coup, si je dois expliquer ça euh, ligne par ligne, quand je commence, on fait une séquence de plusieurs choses. Séquence, c'est quoi C'est en fait deux choses en même temps. Euh, là, en, premier, en premier temps, on va attendre 0,2 secondes. Euh, je ne sais plus pourquoi, hein, je suis désolé. On va récupérer les informations du joueur. Et on va mettre le niveau du joueur. Euh... Non, je suis désolé, je peux se tromper. <laughs> Donc, on va récupérer les informations du joueur. On va prendre son niveau. On va lui enlever 2. Et on va le reprendre et lui ajouter 3. Ensuite, ces deux valeurs-là, on va les mettre dans minimum maximum. Et on va prendre un nombre au hasard entre le niveau du joueur moins 2 et le niveau du joueur plus 3 donc ça laisse une petite marge pour mettre à jour le niveau du monstre de la créature. Ouais c'est nice, bah, c'est vraiment un langage. Ouais. Alors, un langage entre guillemets je suis d'accord avec toi sur le fait parce que c'est pas vraiment un langage, mais c'est considéré vraiment comme un langage du coup de collage de, de jeux vidéo. Donc après du coup on rajoute un branch. Donc un brunch c'est le par rapport au C. Branch, c'est le synonyme de if. Else, if aussi, tu vois. D'accord. Euh, donc, en gros, branch, c'est euh, si le niveau est euh, plus petit ou égal à zéro, alors on met le niveau à 1. C'est au cas où le joueur il est niveau 1 et qu'on tombe sur un nombre négatif. Au moins, hop, on sera niveau 1. C'est une petite sécurité, ça, en gros, au cas où il y a un bug. Euh, voilà, en gros, bah, je ne veux pas faire tous les scripts comme ça, sinon on en aura pour extrêmement longtemps, mais c'est pour comprendre un peu comment le codage fonctionne. Je ne sais pas si c'était clair, est-ce que ça a été clair ou pas Non, ouais <laughs> carrément, moi, c'est je connais un petit peu les langages, mais pas là-dessus, tu vois, moi je connais plus le langage Windows, tu vois, avec ouais. pareil, le if, tu vois, qui est aussi sur Windows. Euh, si tu n'as pas accès à ça, bah, t'envoies ça, tu vois. Donc euh, ouais. moi pour moi c'est ça me parle clairement et euh, je trouve que le blueprint, le blueprint c'est pas mal parce que est, ça épure vachement les choses et c'est ça a l'air facile tu vois la façon que tu expliques en tout cas ça a l'air facile de faire tu vois Ouais alors après Attention. Je pas tomber dans le ça a l'air facile Voilà exactement ah ouais. euh, pour apprendre à tout faire J'ai pris 5 ans. 5 ans de tests de choses comme ça pour bien savoir et au niveau où je aujourd'hui, c'est à dire euh, faire euh, donc tout ça euh, on peut se plonger un peu dans, dans tout le développement etc euh, tout ça franchement le, le mutant je l'ai fait en à peine 2 jours quoi. tu vois c'est que, que de la logique etc après bon ça reste compliqué mais euh, ce qui est bien avec le blueprint c'est que c'est très logique c'est logique tu vois tu sais ce qu'il faut faire. Tu sais exactement comment il faut faire, tu vois. Il faut juste trouver en gros comment le formuler dans le langage. Mais sinon c'est très facile. Alors que le C, c'est pas la même pour le coup. Et euh, moi le C, j'ai commencé à l'apprendre, mais... Franchement, euh, je suis trop bien en blueprint. Et je sais même pas. Non mais c'est vrai que je crée des projets du coup blueprint. Je peux pas le montrer le C là. Hop, voilà. Et on voulait faire un test, c'était de faire marcher Eurocobi d'un point A à un point B, si je ne me trompe pas, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Du coup, c'est pas compliqué, dans le EuroCobi, il n'y a rien. Okay tout est vide, il n'y a rien. Comment je fais, du coup Comme Ça, c'est un petit cours. Vous saurez faire déplacer des PNJ, du coup, en Blueprint. Ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre directement dans le niveau. Comme ça, au moins, lui, je peux l'utiliser n'importe où, il ne fera pas tout le temps la même chose. Ça va être que sur ce niveau-là, il va faire cette action-là. Quand on démarre le niveau, tu sais quoi, on va faire encore autre chose. Je vais mettre un Box Trigger. Un Box Trigger, c'est quoi Alors, pour l'expliquer, un Box Trigger, c'est une zone. Ça va juste être une zone. Ce que j'ai envie de faire, c'est que quand le joueur rentre dans cette zone, ok, Yorokobi, il va se barrer euh, là. Donc là, par exemple, on va mettre un cylindre. Comme ça. Et je vais mettre du coup un target point. Target point, c'est une cible. Voilà. Voilà. Donc là, on a le schéma. Quand nous, le joueur, on rentre dans la zone verte, Yoakobi, il va monter sur le, le, petit, euh, le petit cylindre, le petit estrade. Et du coup, pour l'indiquer au bot, j'ai mis une cible, un target point. Ok, du coup on démarre de ça. C'est pas compliqué. Ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir du coup le blueprint euh, du niveau. Je vais le mettre là sur le côté. Du coup, on a besoin de quoi On a besoin du Eurokomi que je vais importer. On a besoin du... Euh, non, on n'a pas besoin du trigger. On a besoin par contre du target point et c'est tout. Voilà. Donc, je vais faire, je vais sélectionner le trigger box. Donc en gros, la boîte, je la sélectionne. Et là-dedans, du coup, quand je fais un. Oula. Quand je fais un event. Euh, begging. Event actor. Begging overlap. Donc là, du coup. Tri trigger box 1, collision. Add on actor. Begging overlap. En gros, quand l'acteur rentre dans le trigger box. Donc dans cette zone-là. Pour faire simple. Après, je vais faire un cast to euh, third person bp Donc, je prends les informations du joueur. En objet, je mets le joueur qui est dans la zone. Donc, quand le third person caractère, donc quand le joueur est dans la zone, alors, on prend... Euh, alors... Euh, alors... Euh, on va faire un A move to... Ça pour le coup, c'est pas très compliqué à comprendre. I move to, le PNJ va vers. Donc, le pawn, on va prendre Eurocobi. Du coup, Eurocobi, sa destination va mettre à la place un target actor. Et l'acteur ça va être le target point. Voilà. Donc, ensuite, s'il y arrive, on va faire un. un... Alors, ça s'appelle un string. Enfin, un pring un print string c'est une indication euh, c'est une indication donc s'il y arrive on fait euh, par exemple euh, success S'il n'y arrive pas fail un fail exactement voilà donc c'est pas compliqué si je reprends le script quand le third personne rentre dans le trigger box alors kobe va vers le target points s'il y arrive on, ça nous met succès s'il n'y arrive pas ça nous met fail voilà donc là je lance le projet vous êtes tous intelligents en tout cas vous m'avez tout perdu avec ces noms, lol. Ah, j'ai essayé de <laughs> plus carte possible pour toi. Après, <laughs> mini. Voilà, c'est. Il faut vraiment être passionné, il faut, faut vraiment, tu vois, pour, euh, pour tout ça. Moi, je te le dis, franchement, je, je comprends parce que c'est pas loin de certains autres types de langages et que pour <laughs> moi, l'informatique, c'est pas trop compliqué. Mais euh, je t'avoue que j'aurais pas fait de formation informatique ou quoi que ce soit, je pense que j'aurais été aussi perdu, tu vois. Et pour bleu, c'est beaucoup d'anglais. Si t'arrive pas à suivre, c'est normal. <laughs> donc là, du coup, j'ai lancé le projet. Donc il y a le personnage qui se déplace normalement. On a l'estrade qu'on avait mis là-bas, sauf que là, du coup, on voit pas le target points. On voit pas la cible, mais on voit Yorokobi. On voit pas la zone qui a autour de lui. Si je m'approche de lui, il va se barrer. Sauf que, regardez bien, en haut à gauche. En haut à gauche, il y a Lights Need to be Rebuild. Ça, c'est complètement normal. Mais regardez bien ce qui va s'afficher. Hop, quand j'y vais. Il n'y a même pas de message d'erreur. C'est terrible. Bon, en gros, le, per... le... Yorokobi ne peut pas aller là-bas. Pourquoi il ne peut pas aller là-bas Parce qu'il n'y a pas de terrain où il peut marcher. Il faut rajouter un terrain où il peut marcher. Dans ce terrain-là, du coup, ça va être un nav mesh bound volume. Si je dois traduire, c'est. Un mesh donc une zone de navigation, un volume de navigation en gros. Donc je le prends là, et pour bien que vous puissiez voir, je vais appuyer sur P. Et là, cette zone verte, c'est la zone où les PNJ peuvent se déplacer. Ok, donc là, je peux mettre un petit peu n'importe où où est-ce que je veux. Voilà, donc là, il peut y aller. Donc là, il peut très bien y aller. Et ce qui est marrant à faire, du coup. De créer des zones euh, où justement il pourra pas passer ou faire un labyrinthe pour voir comment il va réfléchir, donc cube, prendre un petit cube et genre on va mettre des cubes devant son chemin pour euh, essayer d'emmerder le bot en gros, voir comment il va se débrouiller. Il ouais, faut quand même qu'il puisse passer. Hop, hop. Une fois là, tac, un petit cube là. On sera obligé, du coup, de faire tout le tour. Et un euh, petit dernier euh, là au milieu, juste euh, en grand. Quoi. Voilà. Donc là, en gros, nous, on voit ça. Mais lui, il voit vraiment un parcours d'obstacles, quoi donc quand je spawn oh. voilà alors, je suis désolé je vais faire en sorte qu'il y ait une meilleure lumière par contre on va prendre du coup directional light alors pourquoi il ne peut ah. pas marcher mais ton personnage oui c'est une question Parce de bleu que... moi je sais mais alors pourquoi il ne peut pas marcher mais ton personnage oui est-ce euh, qu'il a dit ça avant que je mette la zone du bot ou après Parce qu'en gros, ce qu'il faut c savoir. Ça, c que avant le que le tu mettes la déplacer... zone du bot, je crois. Ce qu'il faut savoir, c'est que le joueur peut se déplacer partout, n'importe où dans l'univers 3D tant qu'il y a de la collision. Alors que le bot, il doit avoir un chemin, un tracé. Là, justement, j'ai mis le tracé en vert. C'est juste ça, en fait. Et euh... ouais, voilà, c'est juste ça. Le tracé en vert, c'est le... le bot où il peut aller. Parce que par exemple, tu fais un jeu de zombies. T'as Une épreuve où t'as plein de zombies, tu mets une zone verte pour que tous les zombies bah, soient dedans, etc. Mais quand tu sors ou un obstacle, qu'un zombie normalement ne peut pas passer, tu mets pas de zone verte comme ça, le zombie peut pas passer et alors que le joueur peut passer, tu vois. En gros, ça sert entre guillemets à ça. Euh, je veux lire les questions, c'est vrai que j'explique depuis tout à l'heure, je regarde pas. Euh, ok, merci. Bah, on m'a toujours dit que ce qui est compliqué est toujours intéressant, donc j'écoute, même si je comprends pas. <laughs> Bon, va-t-il prendre le chemin le plus court ou aléatoire Donc là, le bot, il est fait, si je reprends le script. Là, je lui ai vraiment dit, tu vas sur ce point-là. Qu'est-ce qu'il va faire Il va calculer le chemin le plus rapide. Toujours le chemin le plus rapide. Après, on peut lui dire de prendre un chemin aléatoire, c'est possible aussi. Mais là, il a, en l'occurrence, il va prendre le chemin le plus rapide. Euh, un trapèze qu'il marche dessus. Un trapèze Très bien, tu as répondu à ma question. Genre safe zone. Ouais, c'est ça. Zone safe, ouais. En gros, ça peut être ça, ouais. Euh, un trapèze pour qu'il marche dessus. Je peux faire en sorte qu'il marche sur quelque chose. Euh, alors. Mettre une non, vraiment désolé non. je baille beaucoup, mais... C'est juste que j'ai pas dormi depuis plus de 24 heures. <laughs> Il n'y a pas de soucis mon Dante. <laughs> Hop hop hop, ouais, faire euh, un petit. Je peux pas vraiment mettre de trapèze pour le coup. C'est à cause de B, il a voulu voilà. qu'on joue à voilà. <laughs> faire une zone comme ça. Et il faut que je reprenne du coup le nav. Et que je le monte. Clac Alors non, il peut pas. Alors il peut aller dessus, mais il peut pas retomber. C'est dommage hmm. ça. C'est normal. vraiment il peut pas tomber ou s'il peut pas passer en dessous Il peut pas aller sur les zones qui sont pas vertes. Et si jamais, euh, y, en fait, il n'y a pas moyen. Alors, attends, c'est ce que je vais faire. Faire du coup quelque chose comme ça. Pas ma faute. <laughs> C'est ah, de la faute, de la faute des, des streamers, ils font des streams trop intéressants la nuit et du coup je suis resté jusqu'à 7h du matin et... Donc Puis là, après ben, j'ai croisé peut... bleu quoi. Apparemment là il peut. Euh... Puis je vais faire en sorte qu'il puisse pas passer sur la droite parce que c'est propre qu'il veuille passer sur la droite. Tac, il pourra pas passer sur la droite. Donc là il sera obligé de prendre cette rampe là que j'ai essayé de faire. Donc là le 9 b le bêche est bon donc normalement tout est ok juste à m'approcher de lui et il se barre je vais relire mon script Alors trigger box nanane vers la d'acteur, moi nanane acceptance réduite Alors attends que je vérifie le pawn pawn object reference target actor actor object reference Ok. Et je vais juste faire ça au pire. Peut-être que ça va marcher. Yes Voilà. Donc là, il peut monter la rampe. Je suis désolé pour la lumière, je ne peux pas faire mieux. Oh. Alors ah, il a du mal, mais moi aussi, c'est parce que c'est moi qui l'ai mal posé. je suis pas bulder. Ça se voit, t'es pas pour le tout gâche. Là normalement c'est, super. Hop, salut. Allez, on y va. Hop, Voilà comment créer des jeux pas optiques. Je peux mettre devant et tout pour le faire chier. Toi qui peut se déplacer, il va tout faire pour y aller. Bon là. Normalement il est censé contourner etc. Vu que je suis un élément qui bouge, il va galérer. Mais après je peux toujours le faire. Euh, je peux toujours le faire. Quoi. Hop. Donc là du coup, il peut vraiment pas passer sur le côté, il va aller là-bas. Faire le petit détour. Là il va passer du coup tout droit. Mais j'aurais pu mettre un petit bloc là pour qu'il fasse le tour. Et c'est ça qui est bien, c'est que je lui donne juste, tu es là-bas, tu vas là, quand je fais ça, il va se démarrer tout seul, à partir de la zone verte. Et ça c'est stylé. Et normalement il est censé monter dessus. S'il monte pas dessus, je vais péter un peu. Let's go euh... <laughs> Voilà. Et c'est comme ça qu'on fait bouger un bot. Tiens bon, tiens bon. Voilà comment on crée des jeux. Allez, Popti, <laughs> c'est ce que tu avais dit Dante. <laughs> Voilà, c'est ça. Bon, après, je suis un petit peu plus rapide que lui, mais voilà. Euh, voilà, les euh, y il y a-t-il euh, d'autres questions, des choses comme ça? Ouf, donc les viewers, si vous avez des questions, questions c'est maintenant. N'hésitez pas. Moi, je vais t'en poser une le temps qu'ils écrivent une question. Euh, du coup, pour frapper, euh, donc, si on lui demande euh, à lui de te mettre un coup, par exemple, okay. comme euh, tu avais fait avec, euh, dans ce que tu nous as présenté tout à l'heure, mm -hmm. euh, donc une interaction entre le bot et le joueur, ça va toujours se passer pareil dans le même système avec le blueprint, en disant, ben, bah, if. Euh, le personnage s'approche, euh, toi, lui mettre des gars En gros, ouais, ça, ça se passe exactement comme ça. Après, il faut toujours... En soi, on peut le mettre dans n'importe quel blueprint, mais le but, c'est de le mettre le plus judicieusement. C'est pour ça que là, les déplacements, je les ai mis directement sur la map, parce que c'est mieux de le faire sur la map. J'aurais pu le programmer directement dans le, dans le bot, mmh. en gros. Mais ça ne servira à rien et ça prendrait plus d'espace qu'autre chose. La map ne servira à rien dans ce cas-là. Donc là en fait euh, le système d'attaque le plus compliqué c'est pas de le faire c'est de bien le ranger en gros c'est de bien le mettre dans le bon script etc. Par exemple euh, avec le joueur j'appuie par exemple sur euh, mouse 1, donc euh, clic gauche il va mettre un coup ça je vais le mettre dans le joueur et sur par exemple le bot tous les tous les tous les bots tous les environnementaux etc. Je vais lui mettre lorsque un joueur est dans ce rayon là tu regardes s'il te met un coup ou pas. Et s'il te met un coup, tu réagis comme ça, tu vois. Et ça, tu mmh. le mets du coup dans le bot. Et il faut savoir les ranger comme ça. Il faut savoir séparer les scripts et les, et les ranger dans différentes catégories. Et ça, c'est assez compliqué et chiant. D'accord. Admettons. Vas-y, vas-y, vas-y. interaction avec le joueur. Ouais, c'est exactement ça. Euh... Alors, du coup, je sais pas si j'y ai répondu ou pas. Bah, si, du coup, oui, j'y ai répondu. Euh, admettons tu, tu le fais tomber d'une hauteur, quand il tombe il devient ragdoll comment en tout cas je vous souhaite à tous Dante, Ipman ou encore, ou encore Monsieur de réussir dans ce que vous faites <laughs> stream ou autre ben euh ben, merci, merci beaucoup, beaucoup <laughs> euh, Fleur c'est adorable euh, alors pour faire un ragdoll c'est compliqué un ragdoll, je ne sais pas si je vais pouvoir le faire là. Euh, je vais, aller... je vais essayer de le faire, je promets rien. En, en gros, en ce qui veut te dire, c'est que s'il tombe d'une surface assez haute ouais. et tout, et qu'il doit être en gros mort, c'est ouais. comme quand ton personnage il a pris son coup à la fin et qu'il a perdu toute sa vie, il tombe, ça ouais. devient un ragdoll, en fait. Alors, moi, c'est pas un ragdoll, c'est une et animation de mort. C'est pas pareil, c'est ça le problème c'est une animation de mort et je le mets pas en ragdoll parce que en fait le problème c'est que la dernière fois que je l'ai mis en ragdoll il s'est envolé sur toute la ouais, map à c cause d'un problème de collision euh, ouais, c'est le souci de toute façon d'un ragdoll Un ragdoll tu ouais. ça peut être ça ça peut passer sous la map ça peut c'est la map c'est beaucoup plus dur vu que c'est une surface euh... enfin c'est pas comme sur hammer enfin sur les maps de Gmod en gros Là pour passer sous la map il va galérer Et justement vu qu'il peut pas aller sur la map Il va essayer de se projeter en l'air Et ça ça fait chier par contre Parce qu'il y a toujours la caméra qui est fixée sur le ragdoll Et du coup tu peux voir la map de Hypero ouais. Du coup je mets une animation comme ça Plus de problème Mais sinon euh, la réelle question Ouais S'il tombe du hunter euh, en gros ce que tu veux dire C'est il devient ragdoll Je vois ce que tu veux dire euh, je... Je ne peux pas vraiment le montrer sur ce projet-là parce qu'il va falloir que je le développe. Mais si je dois raconter, en gros, je vais te faire un schéma pour que tu comprennes. Il euh, y a la falaise. Ceci est une falaise. Il y a ton joueur et il tombe. Ok Il tombe. Mais là, il tombe droit du coup. Ok Il tombe. Ce qui va se passer, je ne vais pas faire de flèche. Je vais faire flèche comme ça. Ce qui va se passer c'est qu'il va y avoir du coup euh, ce qu'on appelle un line trace by channel. En gros ça va être une ligne qui va se tracer qu'on va pas voir à l'œil, à l'œil nu en tout cas, qui va se tracer. Ok. Pour le meilleur exemple, faire un sol. Hop. Donc merde, je sais plus utiliser Paint. Là en gros il va y avoir une ligne qui va se tracer sous les pieds du joueur. Et le but de cette ligne c'est d'aller vers le point le plus bas en dessous du joueur. Ok Et Il va y avoir un calcul qui va être fait. Ce calcul c'est euh, En gros, est-ce qu'il est haut? Qu est Donc est-ce que j'aime bien ta patte artistique <laughs> J'ai vu j'ai pas osé dire pas te déranger Mais dis-le coupe moi Sinon moi je me sens seul je parle dans le vide tu vois le but c'est qu'il y ait de la communication quand même euh, Juste là, du coup... Euh, D'ailleurs, je sais pas si t'as vu mon tweet. Nanana. Ouais. Et du coup, pour revenir à mon histoire, en gros, il va y avoir une line 13 by channel, donc une ligne qui va se faire du personnage jusqu'au point le plus bas. Et en gros, il va y avoir un calcul de... Euh, y, en gros, ça va calculer il y a combien. Ok, donc là en gros, le, je vais mettre l'opération sur le côté. Je sais pas si on le verra bien. Je vais faire comme ça. Donc là, du coup, le calcul, c'est alors, il y a combien, du coup en hauteur entre le joueur, enfin le joueur, il est à combien de hauteur comparé au sol Il y a combien euh, Il va prendre il y a combien et il va calculer en gros, il va faire si euh, euh, du coup, il y a combien Il est égal ou plus petit, euh, plus grand, pardon. Ouais, c'est égal ou supérieur à, à temps. Que eh 5, bah oui, il va avoir mal. Que 5, du coup, 5 mètres. Donc, vu qu'on peut pas calculer en mètres, mais qu'en centimètres, ça va être euh, 500. Oui, c'est ça, c'est 500. Donc, si. Euh, là, en gros, il y a combien C'est la valeur. Si, en gros, la, ça, la hauteur est égale ou alors supérieure à 500 cm, donc 5 mètres, alors, on active le ragdoll. En gros, ça va se passer comme ça. Par contre, s'il y a 5 mètres, du coup, le personnage, il va tomber, il va rater sur ses jambes normales. Mais s'il y a plus de 5 mètres, il va se ramasser. C'est comme ça que ça réfléchit. En gros. Est-ce que j'ai répondu à ta question ou pas du tout C'est le résumé. Qu'est-ce de... <laughs> que t'as Dante <laughs> C'est parce qu'il m'a marqué, euh, il a marqué, c'est à l'époque où les, les hommes pensaient que la Terre n'était pas ronde et que si on allait trop loin, on tombait et euh... tout à l'heure tout à l'heure on était okay. sur euh... bon, désolé un petit aparté sur, euh... sur mon stream de Valheim mais tout à l'heure on était sur Valheim avec Bleu et on a fait euh... quand tu mets la map t'as la map c'est un rond et euh, on s'est ouais. demandé si on allait jusqu'au bout est-ce qu'on tombait ou pas comme dans le film <laughs> tu vois ok, okay. c'est ouais, ouais, tout plein. Ouais. Euh votre question c'est est-ce que sur les jeux vidéo euh, la terre est, est plate ou ronde euh, je vais vous la prendre tout de suite elle est plate elle est plate <laughs> et elle est cubique pas forcément vrai ouais. mais ouais, à 99% 80... des cas quasiment ouais elle est cubique <laughs> mais ça existe des jeux où la map elle est ronde ou ouais, bah voilà ça existe par exemple mais euh... non enfin ah, oui, ronde, euh, la... ronde oui dans ah, ouais, ouais, ok ronde, ronde de transfert quoi Généralement, ouais, sur les jeux d'espace. Mais De quoi, bon, elle est pas ronde. Hein Mario Galaxy. Oui Ouais, par exemple, c'est vrai. C'est ça. J'avoue. Exactement. Mais du coup, bleu, est-ce que j'ai répondu à ta question ou pas Bleu il s'est barré je crois non Peut-être Non euh, oui. il est là il t'a okay. répondu Super T'as pas acheté de cailloux encore c'est bon c'est ça, euh, ça Ferme, s'il te plaît Oui oui ferme Non mais ferme <laughs> Je suis désolé C'est pas grave C'est Zelda tu direct mec c'est comme ça <laughs> tu crois quoi Des fois moi je me fais elle passe à côté ça, 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 je leur ai dit ben. Bah, en stream, genre, venez pas, <laughs> <Ils> comprennent rien, <laughs> c'est pas grave. C'est ah, tu sais, quand ils connaissent pas le, le monde du streaming, c'est comme ça. Ah, tu vois, moi, vrai. des fois, c'est ma femme, elle s'amuse à passer derrière moi trois, quatre fois juste pour m'embêter parce qu'elle sait que j'aime pas ça. Tu vois, ouais, 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 ouais c'est comme, comme ça, ça hein, c'est pas grave. grave. Bah, je pensais que la terre était ronde. Ah, mais je parlais pas de la. Ok. <laughs> non, mais la Terre, oui, la Adio, Terre en elle-même, <laughs> elle est ronde, mais là, c'est. <laughs> euh... La Terre est ronde, mais là, mais... c'est par rapport aux jeux vidéo, c'est sur une surface ouais. plane. Mais après, du coup, avec ce script-là, en soi, ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut le continuer et faire en sorte que, ok, à partir de 500, quand on tombe, on perd un PV, tu vois. Mais euh, du coup, si on, part de, si on tombe de 600, on va perdre 15 PV. Et là, du coup, c'est comme ça qu'on calcule les dégâts de chute. C'est grâce aussi à ce fameux trait-là. À ce fameux trait-là. À Online Trace Bad Channel. C'est comme ça aussi. Ouais, voilà. Les dégâts de chute, ça marche comme ça. Elle a compris que les gens voyaient la cam. Au oh, moins, ce serait <laughs> ah oui, elle a compris. Et en plus, depuis, tu vois, bah, désolé, un petit effort sur moi, mais bon, euh, je lui ai, euh, ai mis Twitch sur son téléphone, tu vois, comme ça au moins qu'on prenne ce que c'est, parce qu'elle comprenait pas du tout, tu vois. Et maintenant, quand je lance un stream, elle a. Ah, mais tu stream Bah ouais. Ouais, je veux dire, c'est celui à notif. Hein. <laughs> c'est marrant. D'accord. Ok. Voilà, bah moi ouais, j'ai fini euh, ce que j'avais à dire en tout cas. Euh, j'ai fini de répondre à la question. Si vous avez d'autres questions, même toi, si tu veux parler de quelque chose en particulier, tu te poses des questions ou quoi que ce soit, dites-le dites, euh, dites, 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 dites moi, tout simplement, dites-le moi. Yes. Moi j'ai une question fatidique, mais je sais qu'elle va te faire mal. C'est ce qui va te faire mal, mais je, je sais pas si on attend un petit peu euh, ou on attaque directement dans le vif du sujet. Euh, ouais, vas-y. Tu m'as dit que euh, mettre un, un multijoueur, c'était extrêmement difficile. Ouais. Pourquoi Pourquoi je vais ressortir du coup un large schéma. Au moins tout le monde sera ok. Pourquoi un multijoueur c'est compliqué Ok. <laughs> Alors, pourquoi un multijoueur c'est compliqué Là c'est dommage, j'ai pas ma taille graphique. Je vais devoir beaucoup mettre de choses. Alors, il faut savoir que. Un personnage. Un seul personnage, c'est un jeu solo. Ça, pour l'instant, ça va. Deux personnages, c'est un jeu multi. Enfin, de 2 à 4. De 2 à 4, c'est un jeu coop. Quoi Coop, bon voilà, coop. Et plus, c'est multi. Ce qu'il faut savoir, c'est un truc que je dis tout le temps. Attention, <rire> <rire> Et il dessine. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où il y a plus de deux joueurs, ça reste du répliqué. Je ne sais pas si la notion de répliqué vous dit quelque chose ou non. Oui, euh, c'est. C'est assez de... compliqué à expliquer. C'est de devoir refaire plusieurs personnages, enfin, de plusieurs. Euh... Oui et non. Plusieurs straphes de plusieurs choses en fait, parce qu'il va falloir que tu fasses une base de données. Et. Ouais, euh, en gros, c'est ça. Et structurer. Mmh. Donc euh, du coup, bah, plusieurs... Euh, quand je dis répliquer, c'est copier pour moi, mais copier plusieurs bases de données et, et tous les synchroniser entre elles. Et, ouais, ouais. et ça va plus loin. Bah, on en avait déjà parlé nous euh, en off. Mais euh, je voulais que tu, tu, tu fasses comprendre un peu au, au ouais. chat un peu le pourquoi du comment. Voilà. À partir du moment où c'est répliqué, c'est chaud. Parce que imaginons, on a un personnage. Je vais utiliser directement les éléments, ça va être plus simple. On a un personnage. Ok. Alors, on va commencer par les variables parce que c'est le moins compliqué. Il a des points de vie. Il a point d'armure. Il a. Enfin euh, bref, des variables en gros. Donc oui, des, des munitions, si y a des trucs. Des... Alors, il a points de vie, points d'armure, euh, ouais, mun. des munitions. Et autre. Ok euh, Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où tu mets un jeu en multijoueur, exactement comme tu avais expliqué, hop, un autre joueur se connecte, le jeu passe en multijoueur. Tac. Ces valeurs-là, en fait, ne vont pas être prises et copiées. Ils vont pas être prises et copiées. Ces valeurs-là vont être. Entre guillemets, partagés. Ces valeurs-là vont être partagées entre les joueurs. C'est comme ça que c'est réfléchi. C'est pas moi qui le choisis. Ces valeurs-là vont pas être copiées, mais vont être partagées. Du coup, si jamais ces valeurs-là ne sont pas répliquées, c'est-à-dire que le joueur 1 a par exemple 52 HP, mais le joueur 2, dès qu'il se connecte, il, a, il récupère les HP du joueur 1. Il a 52 HP aussi. Et c'est pas du tout ce qu'on veut. Dans la réplication, c'est compliqué. En gros. C'est qu'il faut faire en sorte qu'avec une seule variable table de valeur avoir deux unités différentes pour que est lui qu il ait 100 HP c'est ce que j'ai demandé du coup je me dis, mais il n'y a pas pas comme dans une ligne de code où tu peux mettre euh, du coup une variable qui fait que du coup tu viens de me ouais, dire et tu justement la de variable oui, mais... elle est la variable elle est partagée entre les deux, c'est ça qui est très compliqué. Du coup ce qu'il faut faire c'est qu'à partir d'une seule variable il faut qu'il y en ait un qui en ait 52 et l'autre qui en ait 100 vu qu'il vient de se connecter. Et du coup comment on fait Il faut répliquer. Donc pour répliquer c'est pas compliqué. En gros tu as une valeur etc. qui est répliquée. Il faut savoir que du coup tous les développeurs le savent. Ce sont des classes objets instancés. Non instancés instancier, ouais c'est ça en gros. Alors en gros, alors pour expliquer, je vais essayer de faire simple. Euh, tous les développeurs le savent. Les mots aussi. Il y a le côté client et le côté serveur. Mmh. Et ces valeurs là. Il faut savoir que quand elles sont pas répliquées, elles sont du côté client. Euh, attends, je réfléchis de ce que je viens de dire. Lorsqu'elles ne sont pas répliquées... Bah, pour moi, ça serait logique, parce que sur le client, c'est ouais. côté PC, donc c'est sur ton PC, et pas sur le... Ouais. Elles sont du côté client. Le problème... Enfin, ça, c'est pas pareil encore comment expliquer c'est chaud euh... elles sont du côté en gros euh... ouais client mais serveur enfin sauf en fait ouais elles sont du côté serveur entre guillemets quand elles sont pas appliquées elles sont du côté serveur en gros elles sont appliquées à tout le monde elles sont appliquées à tout le monde elles sont du côté serveur lorsqu'elles sont pas appliquées et ce qu'il faut faire c'est de les faire passer par du côté serveur par le côté client par le côté serveur afin de en gros l'avoir du en fait, il faut essayer de l'avoir du côté client et ensuite le transfert au serveur. Au lieu que ça soit directement serveur. Et c'est ça qui est compliqué dans la réplication. Je m'explique très mal, c'est très compliqué. Alors, euh, mais la difficulté c'est de stocker les valeurs en temps réel. Oui, c'est ça. Elles sont envoyées côté serveur quand tu te reconnectes, quand tu connectes en multi. Et chaque joueur côté client charge ses propres données depuis les nananins apparaître les autres. Ouais, c'est ça. En gros, on d'accord les clients vers le serveur euh, pour ensuite que ça soit appliqué. Oui, du coup. Ça, tu... on est d'accord. Mais du coup, ça, c'est pour un jeu qui va être du coup en ligne et stocké sur un serveur. Ou en tout cas, ouais. les... il y a un passage avec des bases de données sur un serveur. Mais par ouais. exemple. Euh... Demain, on est deux à jouer sur le même PC. Sur le même PC, ok. Ouais. Là, ça mmh. va se passer comment Parce que du coup, ce sera tout sur le côté client. Est-ce que par hasard, ça va simuler une, euh, un dossier comme s'il y avait un serveur Pas du tout. En gros, si c'est sur le même PC, si c'est sur le même PC, euh, ça sera pas obligatoirement répliqué. Mmh. Si c'est sur le même PC, tu n'es pas obligé de passer par ce côté de réplication, etc. Si c'est le même PC, tu te fais pas chier, tu crées deux personnages différents, et cette fois-ci, tu peux dupliquer, en gros, les, les valeurs. En gros. Parce que si tu joues sur le même PC, tu peux créer, aller jusqu'à quatre personnages, tu peux jouer à quatre maximum, tu vois. Avec des personnages en 3D, etc. Du coup, en soit, tu peux créer les 4 directement. Donc là, du coup, lui, il aura des PV, etc. Naninana. Lui, il aura aussi des PV, etc. Naninana. Ils seront copiés. Là, tu peux les copier. C'est sur le même PC. En multijoueur, tu peux pas. Et du coup, là, on ne parle pas de multijoueur, on parle de coop. Ok. Voilà, c'est tout. C'est pas la même chose encore. Oui, c'est compliqué à expliquer, mais tu t'en sors plutôt bien. Bah, merci beaucoup, Epiman, franchement. Franchement merci. C'est vrai que je galère beaucoup. Non mais c'est au, au top. Voilà voilà. Est-ce que vous avez d'autres choses, d'autres questions J'ai envie de faire une petite fois aux questions, c'est mieux pour moi, tu vois. Puis après je j'aime bien faire comme ça. Ok vraiment. Bon. Suit. Suit on va ton va lire un peu le chat, voir s'il n'y a pas des questions qui ont été posées derrière. Ouais. En plus, ouais, moi j'aime bien en parler et tout, c'est vachement cool. Est-ce que tu comptes faire un jeu avec des petits bonhommes J'ai fait sur Twins. Est-ce que tu c'est une putain de Franchement, ça pourrait marcher. Euh... Ça va être compliqué, mais ça peut marcher. Est-ce que tu voudrais parler du projet que l'on a du coup en commun si tu veux, alors, je... euh, ouais, si tu veux, je comptais faire ça vers... Euh, l... ouais, bon... ouais, ouais, non, rien. Ouais, de ouf. Franchement, ça m'arrangerait, ça t'arrangerait, ça nous arrangerait tous. Je veux des droits d'auteur. T'inquiète pas, t'auras un petit code et t'auras des petites récompenses si on utilise ton code, t'inquiète pas. <laughs> alors, non, non. Euh, je vais faire l'intro de... de cela, du coup. Euh, parce que, je reviens là-dessus, parce que... Enfin, je viens là-dessus, parce que... Malheureusement, je ne pourrais pas rester sur le stream euh, extrêmement tard, pour pas t'embêter, et parce que j'aimerais qu'il y ait une deuxième version, euh, enfin un deuxième épisode d'un de, stream avec toi. Euh, comme ça Ok. Euh, ouais, ouais. Ouais, okay, ouais, ouais. Okay. Je veux un deuxième épisode avec toi, là-dessus. Euh, oh. Il y a quelques temps, Anno est venu me voir sur Discord. Il m'a dit « Hey Dante !» Est-ce que ça te dirait, euh, je sais pas, tu fais un stream et euh, tu demandes une idée à, à tes viewers et moi j'essaie de coder le jeu. Attendez, il se fait daronner. Envoie-moi un message. En direct. Envoie oui, oui, je, vais faire un... <rire> <rire> je sais pas si on a entendu dans le micro, on m'a dit, on oui, okay, à manger. Okay. <laughs> ça marche, bon, t'inquiète, okay. de toute façon, on va faire vite, on va parler de ça, et après, et après une après fois que, que ça s'est fait, fait, on coupera et euh, on te laissera aller faire à manger pour toute ta famille. <rire> euh, <rire> du coup, euh, comme je vous le disais, Anon est venu me voir de coup sur Discord et il m'a dit, écoute, euh, moi j'aimerais bien faire un projet avec toi et tout, rien, et euh, ça me plairait que tu, pendant tes streams, tu poses une question à tes viewers. Et tes viewers te disent à peu près quel type de jeu euh, ils aimeraient bien euh, développer, enfin que je puisse avoir euh, dans la communauté, en gros. Euh, un petit jeu à partager entre moi et mes viewers. Et il en est revenu une petite, euh, un petit jeu qui est sorti du coup, euh, qui aurait été un espèce de... Euh, comment il s'appelle déjà De Slayer Online, de euh, Slayer Online que je dis comme bêtise. Euh, Demon Slayer version 2D, euh, qui, aurait pu être qui pourrait être cool. Et euh, donc je sais pas si toi tu étais resté là dessus ou pas du tout. Ah Je suis désolé. Euh, C'était quoi ta question <laughs> C'est pas grave. C'était euh... parce que tu disais mais j'étais pas concentré. Du coup le, le projet que, qui nous avait été proposé c'était un espèce de Demon Slayer euh, version 2D euh, Je sais pas si toi tu étais resté du coup sur ce projet ou pas euh, ou si tu avais des choses que tu, voulais, que tu voulais faire plutôt euh, En tout cas toi du coup qu'est-ce que comment tu lancerais le truc Qu'est-ce que tu serais toujours à le faire et euh, est-ce que tu pourrais commencer à, voir, enfin, à lancer des idées que tu aurais par rapport à ça Alors, oh, je suis toujours chaud pour le faire. Euh, à la base, je voulais le faire du coup sur mon YouTube, mais c'est mieux que je le fasse en stream, tu vois. Comme ça, au moins tout le monde peut voir l'avancée en même temps. C'est génial. Et euh, pour le faire, du coup, oui, je suis toujours chaud pour le faire, évidemment. Euh, je suis toujours chaud pour le faire. Euh, le mieux ce serait de rajouter de nouvelles idées parce que là tu m'as donné vraiment des grandes lignes tu vois mmh. tu m'as dit on fait un MMORPG en utilisant les personnages de Demon Slayer dans le type après bon mais... pas forcément bon pas forcément voilà, c'était le but en fait c'était d'avoir un truc qui ressemblait fortement à un Demon Slayer si c'est pas un Demon Slayer c'est pas un Demon Slayer mais ce serait un truc dans ce délire là avec euh, euh, des épées qui envoient un peu des pouvoirs un peu tout ça euh, si tu vois enfin du Demon Slayer like tu vois si tu préfères mais euh, ouais. pas forcément parce que bon on n'a pas les droits de Demon Slayer on n'a pas tout ça tu vois euh... mais c'est vrai que tu vois un petit jeu de dés à l'ancienne euh, moi, l'idée qui, qui a été sortie m'a vraiment plu. Et si on arrive vraiment à rester dans un thème un peu dans ce délire-là, c'est vrai que ça me ferait. Enfin, moi personnellement, je, je kifferais bien. Ouais, bah, ouais, de ouf. <laughs> oui, enfin, bah, on peut le faire. Euh... Je vais pouvoir le faire du coup en, en stream avec euh, toutes vos idées. Dans le thème de Demon Slayer, euh, à la limite, tu sais que pour les droits, en fait, je peux utiliser les personnages, etc., de Demon Slayer, mais je ne peux pas poster le jeu sur des euh, licences comme Steam, Epic Game etc. Donc, à tout moment, oui, je peux faire du Demon Slayer. Tu veux un Giro, je te mets un Giro, tu vois. Non, non, c'est pas. Enfin, Après, comme je te disais, moi, c'était surtout avoir un petit truc, part, comme, comme tu me l'as proposé, comme tu me l'as vendu, avoir un petit truc à jouer avec mes viewers, euh, un petit truc rigolo qui reste entre nous, tu vois. Euh, oui, après, voilà, si tu si, ne te demandes pas d'avoir forcément un temps de giro ou un truc comme ça ou quoi que ce soit, bah, de toute façon, je vais te dire à partir du moment où on en 2D, euh, on peut faire beaucoup plus de trucs euh, qu'en 3D. Enfin, je veux dire, au niveau esprit, tu vois, ça prend moins de temps, c'est plus simple, etc. Euh... Alors qu'en 3D, tu vois, il faut gérer les comme, comme j'ai dit tout à l'heure les eaux, etc. Donc oui, euh... oui, c'est largement possible. Tu m'avais dit aussi un truc multijoueur, je crois, c'est ça. Alors moi, je t'avoue, c'est vrai que ça serait type MMO, ça me ferait kiffer. Voilà. Multijoueur type MMO, MMO ouais, ouais, carrément. C'est vraiment un truc qui me ferait kiffer. Et je reprenais donc c'est pour ça tout à l'heure comme j'ai bafouillé avec hein, ce petit lapsus révélateur du Slayer Online. Euh, quand mmh. j'étais plus jeune, c'était un petit jeu que... que je kiffais bien jouer euh, en ligne. Euh, c'était ce petit Slayer Online où tu bougeais juste avec tes, tes flèches. Tu avais euh, une technique, c'était tu tapais avec euh, je sais même plus c'était quoi. Euh, tu appuyais sur une touche à taper et tu avais une autre touche, c'était la magie, tu vois, stopper. Enfin quoi. Et tu montais tes niveaux comme ça et c'était cool quoi. Ouais. Ouais, bah. Ouais, de ouf. Hmm. Je sais pas quoi dire, mais euh... ouais, on peut le faire. Alors en multijoueur, du coup, le multijoueur, je vais tout faire pour qu'il soit présent. Euh... Après, à, du coup, prendre beaucoup plus de temps à le faire. Après, euh, si c'est pas du multijoueur, mais du coop, comme tu dis, jusqu'à 4 joueurs, c'est très bien aussi. Le... Bah, comme je t'ai dit, le problème du coop, c'est que ça se fait plus du coup sur un seul PC. Après, il y a toujours des logiciels comme Persec, des trucs comme ça, tu vois, pour jouer. Oui, à... non, bien sûr, je vois. Mais euh... je vais essayer de partir sur du multi quand même. Comme ça, tout le monde, sans exception, pourrait venir. Tu vois. Euh... Pour le serveur, du coup, euh... vu que c'est payant, etc., et que j'en ai pas. Ça... Est-ce que Amashi, c'est enfin, bon, bon pour toi ou pas Ouais, carrément. Puis s'il faut payer un ah, petit ouais, serveur. Alors, le problème d'Unreal, c'est que des petits serveurs, ça n'existe pas. <laughs> c'est soit tu achètes une machine, soit tu rien. C'est ça le problème. Ouais. Ouais, c'est pour ça que ça fait largement le taf. Ouais, ça coûte une blinde, euh, franchement. Ouais. Pour toi, pour moi, pour n'importe qui, c'est cher. Quoi. Ça sert à rien, surtout pour un petit jeu comme ça. Euh, yes. Ça n'en vaut pas la peine. Du coup, ouais, à ma chie, quoi. Et euh, ouais, donc, euh, du coup, balancer, regarde, c'est quoi euh... Je réfléchis. Regarde, bah au pire, je vais faire sur oh, tu C'est quoi euh... Sur ton Discord, sur... ça marche ou pas sur ton Discord Dante Deux. Ou il n'y a pas moyen de faire un salon en gros pour euh, les jeux. Et ah, ouais, ouais. des idées, etc. Ok, ouais, moi, on peut, on peut faire ça. Parce que du coup, je viens de penser pour faire. Euh, pour faire. Euh, comment dire. Tiens, euh, une liste, etc. Ouais, ah, on peut faire ça. Bah, on va créer. Euh, on va créer euh, un salon pour. Ça sera en multi si c'est plus d'un joueur, sinon sur une VM. J'ai pas entendu ta solution pour remplacer le serveur payant. Todo list. Ah, pour remplacer le Savoir Payeur Bah, uh, Amashi simplement, Amashi entre potes, tu vois. Amashi. Juste un petit Amashi. Euh. Ouais, ça bon, on le fera on... plus tard, je pense. Ouais, ouais, ouais ça on... on va créer, t'inquiète Voilà. Uh, du coup, Amashi. Oui, alors, je te l'écris. Amashi, c'est qu'un H. Amashi, en gros. Alors, pour, pour expliquer Amashi. C'est une alternative. Euh... Enfin, c'est pas une alternative en gros, c'est ce qui permet de tous se connecter sur le même réseau. Et euh, une fois qu'on est tous connectés sur le même réseau, cette clé-là, ça te donne une adresse IP que tu peux mettre dans un jeu et on sera tous connectés en même temps en multi, comme sur un serveur sur ce jeu-là. Ouais, c'est ça. ça. Ça permet de tous se connecter sur la même IP. C'est tout. Au plus souvent, tu utilises ça pour jouer à Minecraft en local avec tes potes. Quoi. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est génial aussi pour Unreal pour le coup. Euh, puis voilà. Alors ah bon je connaissais pas. Ah bah maintenant tu sais. <laughs> maintenant euh, du coup je sais pas ce que t'en penses Dante. J'ai envie de prendre les idées de tout le monde. Si tout le monde est-ce que tout le monde peut proposer des petites idées du coup pour le, un jeu qui nous appartiendrait à tous, à vous, à Dante, un petit truc communautaire sympa. Ou Dante du coup euh, tu t'engages à le faire en live? <rire> <rire> Ouais, c'est voilà, hein. toutes vos idées etc euh, Pff, franchement euh, s'il y a bah, vous pouvez donner un petit élément que je pourrais implémenter dans le jeu et puis euh, moi ce que faire, je vous propose euh, les gars c'est que comme il vient de dire à nous on va ouvrir euh, sur mon Discord euh, un canal on va l'appeler euh, développement jeu comme ça au moins voilà ce canal euh, vous aurez la possibilité sur mon discord du coup euh, d'y mettre toutes les idées qui seraient cool et qui vous plairaient alors je sais pas si on part toujours sur le, le même thème ou si du coup ça peut varier par rapport aux idées que vous allez donner mais euh... moi personnellement ça me ferait vraiment kiffer que ce soit un jeu de dés comme à l'époque et tout un truc qui soit pas trop ardu non plus pour Anno parce qu'il a d'autres projets derrière donc pas le retarder sur ses projets euh, on met toutes les idées là-dedans. Nous, on fait un tri. Anno, il dit ça, je peux faire, ça, je peux pas faire. Et tout petit chi Et paf, on envoie et on se fait un jeu communautaire. Et un jeu que, euh, bah, du coup, que Anno streamera en direct euh, pour sa création, pour son développement, la totale et tout. Donc, il faudra suivre le, la chaîne de Anno Not the Standard, euh, pour voir le développement de, euh, du jeu. Puis, une fois que le jeu soit ter sera terminé, euh, si c'est un jeu multi, en stream en duo, ou comme il veut, Anno, s'il ne veut pas le jouer, euh, suivez nos chaînes, du coup, pour que nous, on le joue, et on le joue avec vous. On vous exactement. invitera aussi à jouer avec nous, et on se lancera le jeu, euh, jeu à faire euh, ensemble. Quoi. Voilà, bah, exactement. Alors, moi, je pense pas que j'irai jouer au jeu avec toi, Dante. Parce que c'est beaucoup plus marrant de te regarder galérer, etc. Tu vois <laughs> Surtout que toi, <laughs> tu connaîtras tout, parce que tu l'auras fait. Bah, forcément, forcément. Euh, par contre, du coup, moi, ce que j'aurais pensé, c'est toi qui vois Dante. Ce euh, bah, serait de prendre du coup des viewers pour qu'ils les testent avec toi, Tout simplement. Ouais, carrément. Parce que si on fait un jeu multijoueur, c'est pas pour rien. Ça, oui, non, bien sûr, mais carrément. Mais c'est le but, du carrément, c'est euh... le but. C'est carrément du coup, ça. Ouais, euh, si tu veux, je serai avec toi, mais je ne dirai rien. <laughs> non, normal, t'inquiète. <laughs> pas de backseat, pas de backseat. <laughs> <Ouais, rire> t'inquiète, il n'y a aucun problème. Donc, euh... on va en conclure là. Donc, euh. C'était Anno, Anno Not The Dand. Euh, passez sur sa chaîne euh, dès que vous pouvez, lâchez-lui un follow, suivez bien tout ce qu'il fait. Euh, Rappelez-vous du coup, on va ouvrir sur notre Discord euh, pff, merde, un canal marqué euh, développement jeu. On va le faire. Euh, je vais le faire juste après, là, juste après le stream. Euh, si le format qu'on vous a proposé ce soir vous a plu, n'hésitez pas à me le dire aussi. Euh, c'est un format que je voulais faire à tout prix, je voulais, je voulais faire une interview de Hano parce que j'ai envie que Hano, voilà, il, il soit là avec moi, un petit stream partagé, ça me fait plaisir. Non, franchement, c'est vrai, je te le dis, ça me fait ça plaisir. Merci beaucoup, Dante, en tout cas, de m'avoir invité, c'était euh, incroyable. Moi, j'ai grave kiffé aussi de mon côté d'expliquer, etc. Faire découvrir à des gens euh, qu'est-ce que le développement, etc. Franchement. Ah, merci beaucoup, Dante. <laughs> ah, t'inquiète, c'est normal. Et du coup, bah, euh, moi je t'attends pour euh, un épisode 2. Bah, et... Pas de soucis. Et au plus vite possible, donc. C'est euh... que c'est possible, quoi. Du coup, je vous remercie tous. C'était. Anno, Not the Dind et Dante Enemy. Passez tous une bonne soirée. Ciao, ciao. A plus.